Here we are. On est de retour sur San Andreas et on reprend directement, normalement, en direct de San Francisco. On a fait les premières missions, on va continuer. Là, il faut y aller, on est à 30% du jeu. Faut bombarder, là. Là, il faut bombarder sa mère. Oh, shit. Here we go again. Alors, on a toute une série de missions. Moi, je propose qu'on fasse les missions du garage. Ah, ça fait plaisir. Je vais m'installer tranquillement. Vous m'en voulez pas? Je m'installe. C'est ma petite session du soir. On est yimbe. Allez, c'est parti. Ah, téléphone. Oui. Yeah, what? Yeah. Hello, man. It's Jethro, dude. Ok, Jethro. Well, I was talking to Caesar and, ça, c'est le mec qui est le hippie. I mean, you are one out there, dude, when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, wow. What is your point, Jethro? Mais ça, on l'a déjà eu, je crois. No, no point, man, no point. Just that there's an advanced driving school. Like, just up the road from the garage. Ah, je crois que j'ai des souvenirs de ça, like du permis. Driving school. Man, exactly what you trying to say, man. Je crois que j'ai des souvenirs nothing, de ça. Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. Le gars est clairement en train de me dire que je conduis comme une merde. Merci Murty, merci Caf Sounds, deuxième mois d'abonnement et petit Prime qui a été pété avec Akenatox. Merci beaucoup. Salut, pas la barbe, on a dit, il faut se présenter. Qui est derrière ce compte? Glappy ou Zanar cette fois-ci? Ou les deux? Allez, c'est parti, on y va, let's go. CJ, je crois que je dois repasser le permis. Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Ok, let's go. On continue notre petite enquête, je rappelle. Qui fournit la dope à Groove Street? Vous pensez qu'il s'arrête? Waouh, waouh, il s'arrête pas. Waouh. Ah non, je vais mourir dès le début, au secours. Je suis à ma main, au secours. Oh, mais ça commence très mal. Putain. Ce jeu est sans pitié avec moi. Je vous jure. Depuis hier, hein. Depuis hier, il n'arrête pas. Si, c'est même pas arrêté le métro, le tramway. Le tramway de l'extrême. Mais à quel moment il s'arrête pas? Presse F. Ma main, elle était coincée, genre. Incroyable. Allez, vas-y, taxi, il a capté que j'allais le carjacker. Ouais, on va prendre ça, la petite titine, là. File-moi ta caisse. Paf. J'essaie de lâcher mon prime, mais j'hésite. Essaye de me convaincre si tu peux. Et ben, Fakazer, je peux te dire que. S'abonner à ma chaîne Twitch est le pire investissement que tu puisses faire. Il y a deux. Voilà. Je dirais, non, il y a un seul argument, c'est celui-là. Après, tu fais ce que tu veux. C'est tout ce que je peux te dire. Après, il y a 10 ans de ça, il y a plein de gens qui disaient que acheter des bitcoins, c'était de la merde. Hein. Peut-être qu'il y a un truc quand même, on sait pas. Peut-être que s'abonner à ma chaîne Twitch, au final, c'est comme le Bitcoin. Aujourd'hui, tu te dis... Ah, ça sert à rien. Au final, dans 10 ans, tu te diras... Putain, heureusement que je me suis abonné à la chaîne de Cyril. Maintenant, je suis multimillionnaire. Grâce à ça. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est les bouquets de fleurs. Merci, Blue Diamond. Merci pour le sub. Pourquoi j'ai pas d'itinéraire sur la carte? The jeu is still buggy. As always. Bon, il a décidé que j'avais plus le droit. Bah, écoute... Allez, on va prendre l'autoroute. C'est loin, hein. C'est loin de ouf, là. Bonjour, jeune entrepreneur. Ah! Est-ce que c'est toujours down sur PC? Ah, clairement, j'ai pas pris la bonne route, je crois, si. Ouais. On va continuer. On retourne, du coup, à Los Santos. Tranquillement. Le son est horrible, on est d'accord. Est-ce qu'il faudrait pas que je prenne ce petit... Ouais, si. Il faut que je prenne le pont. Il faut que je prenne le tunnel. Hop là. Ah ouais, j'avoue que... Heureusement que j'ai pas spawn à l'hôpital. Ça aurait été l'enfer. Oh, un appareil photo. Est-ce que j'ai des armes? Je ne sais pas. Et il y a toujours ça sur la route, c'est quoi? Il y a toujours des trucs comme ça. C'est bizarre. Des bouts de pneus. Dark Clover.
qui fait péter, non, qui offre un sub à Lucifer, merci beaucoup. Regardez comme c'est beau là. Bon, on est parti, toujours sur la piste de la drogue. La Drogus. Qui fournit, qui achète, qui vend. On veut tout savoir. Je veux tous les moindres détails. Oula. Ah. J'avais oublié cette maniabilité de l'extrême. Oh, c'est... C'est un aéroport, ça. Non. Non. Et peut-être... Non. Peut-être des avions, un truc comme ça. Merci Donovan, merci pour ton sub. Pire investissement. On est bon. Par contre, je crois que j'ai sauté de ma voiture. Effectivement, j'ai fait une erreur. Je crois que je me suis trompé de bouton, j'ai glissé. Pourquoi il y a une lumière... C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que c'est? Présence alien? What? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sort de nulle part, on est d'accord hein. Je crois que les aliens m'ont repéré. En plus, il n'y a pas de voiture. Hein. C'est pile le truc où... À tout moment, je me fais enlever. Hein. Je pense que ça doit être un petit bug d'affichage. C'est un easter egg. C'est un secret. Les aliens, les Illuminati. Salut à tous ceux qui arrivent. Installez-vous tranquillement. Allez, direction. Petit objectif, ils m'ont mis vraiment loin cette fois-ci. C'est ça, ils sont malins, Rockstar. Ils gagnent du temps de jeu parce qu'à chaque fois, ils te mettent les objectifs à l'autre bout de la map. Comme ça, ils gagnent du temps. Ils disent, ah, mais le jeu dure 40 heures. Sauf que tu passes 20 heures à rouler. Oula. Ah oui, mais attends là. Oh non, plus de sperme. Merci pour les subs. Merci, Lune Pleine. Merci beaucoup. Et Jovan. Jovan 9-3. Où we go? Alors, où est-ce que c'est? Attends que je fasse pas de la D. Il est où l'objectif? Bah. What? Where is the objective? Ah, putain, il faut le voir, hein. Waouh. Allez, on est reparti. On est chaud. Et Diabolo qui pète son sub niveau 1. Bien joué, garçon. Attends, parce que là, si je passe là, ça va pas le faire. Non, les gars, vraiment, la pluie, c'est pas... C'est pas bien. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. On voit rien, regardez. Le massacre. Je vois strictement rien. Et Castor Fidèle, qui fait péter son prime. Merci beaucoup. Et c'est le train. Oh, fuck. C'est le train de la hype. Exo Choupi, merci à toi aussi, merci beaucoup. Oula. Oh waouh, waouh. Les gars, je vois rien. Je vais être épileptique, c'est pire que hier. C'est pire que le CG. Je jure, vous vous rendez pas compte. Hein. Ah, ça fait du bien là. Ah. Là, ça fait du bien qu'il n'y a plus de pluie. Et je vais revenir là, ça va être l'enfer. Oh là 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 là. La pluie de nuit. Un poison. Un vrai poison. Je vais le mettre comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là, tous ces subs? Train de la hype niveau 2. Merci à tous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va péter le nombre de subs là. C'est honteux. Hein. Je viens une fois sur Twitch et j'ai plus d'abonnés que certains pauvres streamers. Je suis une putain d'arnaque. Mais mec, je fais rien, vraiment, c'est l'enfer. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ce serait bien qu'il arrête de pleuvoir, là. Regardez tous ces subs. Merci, Balano, Zora, Ifi Pierrot. Merci à vous. C'est loin en plus. Ouais, j'avoue qu'il va falloir que je vais devoir passer par la case permis. Hein.
Là, je roule pas très droit. Mais vraiment, quand il pleut, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer sur la route. Oh là 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 là. Y'en a qui vont. On voit à peine les motos. Quand je klaxonne, ils se bougent pas. Allez, c'est parti. Mais c'est la voiture de César, ça va, il a l'habitude. C'est un mécanicien, il aime bien retaper sa voiture. Waouh, toutes les motos. Il y a un gang de motos. Pushing on time, time. Hop là, ça passe. Les gars, il se passe quoi? Je sais plus conduire là. Merci Baka. Merci pour ton petit sub. Je sais vraiment plus conduire. Regardez, je me porte les... Non. Non, là, c'est honteux. À tout moment, j'arrête le stream. Si c'était une mauvaise idée de stream ce soir, fallait me le dire. Je suis perturbé par tous vos subs aussi. Hein. Ça va être mon excuse, ok? On part sur ça? C'est honteux ce qui vient de se passer. Mais à quel moment la voiture elle prend feu comme ça d'un coup quoi? Je sais pas. Mets-moi de la fumée noire ou un truc comme ça. Bordel. Coup dur. Non, c'est un bug, on est d'accord, c'est un bug. Tu commences à avoir une vieille dalle. Oui, ben. Merci Maxi. Baka pour le tier 1. Merci beaucoup. Déjà, l'itinéraire n'était pas bon. Je tiens à le signaler. Donc moi, si on me donne un mauvais itinéraire, comment voulez-vous? Oh là là, cette pluie de l'enfer. Mais je pensais pas que les voitures, par contre, elles explosaient si vite, quoi. J'ai pris deux poteaux de voitures par-ci, par-là. C'est bon, on va pas m'en faire tout un fromage. Je vais prendre les raccourcis à la Cyril. Écoutez. Je vais prendre les raccourcis. Voilà, allez, vas-y. Je vais me tout casser. Mais regardez, c'est full buggé, j'arrive même pas à... Je n'arrive pas à aller à droite, regardez. Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un genre de mur invisible. En fait, cette voiture, c'est de la merde. Merci Charlie! Merci pour ton Prime. Allez, on va rester sur les rails, comme ça on prend pas de risque. Comme ça c'est tranquille. Vous en faites pas. Bien se passer. Ça va bien se passer. Attends, je regarde si je peux même pas aller encore plus vite en fait. Si, de ouf. Si je coupe tout ça, les champs de blé là, pap, pap. Allez, c'est parti. Hop là, oula. Oh, last one, CJ. Ah, vous êtes là? Ah putain, j'ai eu un bug de ouf. Ma console elle a crash et tout. Du coup, je sais pas, j'ai donc le live allait se couper. Mais c'est bon, je suis de retour les gars. Ah putain, il faut refaire la mission, c'est bizarre. C'est chelou. Merci Isa. T'as ouvert au mauvais moment. Merci beaucoup Isa. Putain les gars, je vous jure, des fois ce jeu, j'ai envie de le... Il y a de la chance qu'il n'y a pas un CD, parce que je l'aurais sorti de la console, je l'aurais pété en deux. Ça me rappelle des souvenirs hein, parfois, mais écoutez, je vais être sage, je vais suivre la route tranquillement et puis c'est bon. Non mais c'était un bug du jeu. Merci pour les subs offerts et bienvenue au tout nouveau. C'est César, c'est Jay, Noiram, Xanix et Newfou. Clairement, je prends pas la route qui était prévue, mais on va dire que ça passe. Je pense que c'est la pluie, j'aime vraiment pas la pluie. J'aimerais qu'elle disparaisse. N'oubliez pas le petit kikiki pour Isa, pour les subs offerts. Non mais à ce rythme là
Je crois que vraiment 20% des subs, c'est Isa. Hein. Je vous jure, elle tourne pas à la caisse. Je vous promets. Je fais des efforts, hein. Je fais des efforts, je vous jure. Ça, c'est qu'on voit rien. Regardez, je ne vois rien. J'aimerais prendre des petits raccourcis, des trucs, tu vois. Impossible. Non, ils ont abusé. Ils ont abusé, là. Passer par là. Voilà. En fait, vraiment, la voiture... Ah, mais je peux pas, là. La voiture, c'est un paquebot. Ah, mais là, mais je peux pas passer par là. Putain. Merci, Madeus. Merci pour le sub. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Tu peux rien faire, en fait. Dès que tu prends les champs de blé, ta voiture, elle se retourne. Je suis obligé de me taper toute la route. Je vous jure, je me concentre. Je suis encore plus concentré que dans une game Call of. Regarde. Waouh. Mais j'ai eu chaud de ouf. Heureusement que j'ai tapé un buisson. Je vous jure, elle tourne pas. Là, je suis à fond, là. Les prédictions sont lâchées. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis encore comme prédiction? Cyril va réussir la mission sans mourir. Vous êtes vraiment des enfoirés. Allez, dégage. Ah, je crois qu'il va vouloir me taper. Va te faire foutre, tiens, prends mon capot. Allez, on va y arriver. Waouh, je vous jure, je vois rien. Je sais même pas s'il y a des boss, du relief. Vraiment, là, en fait, je crois que c'est comme on est en campagne et qu'il n'y a pas de lumière et tout, c'est infâme. Regardez, là, par exemple, là, je tourne à fond, là. Là, je braque à fond quand je fais ça, tu vois. Là, je suis vraiment à 200%. Je peux pas faire plus. Attention! On va y arriver, les gars, on va y arriver. Je suis en train de perdre tous mes muscles. Attendez, parce que c'est quoi les prédictions, là? Il y a combien qui ont voté contre moi? Vous allez perdre vos points, hein. Je pense que ça va être une mission tranquille. Regardez comment elle tourne. Oh là là, c'est un paquebot. Ouais, on l'a fait. We did it. On l'a fait, les gars. Alors, photographie le visage des cibles. Mais fais-le vite et assure-toi de zoomer suffisamment. Ok, mais c'est qui la cible? Where is the team? There it is, Hans. Où ça? Merde, où ça? Où ça? Qui? Oui? Ah! Oh, c'est Ryder! What? You sure hit? Quel enfoiré! This is bigger than any gang, is it? Ryder, little bitch! Le traître! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a une voiture qui se gare. Non, non. This guy take himself real serious. Un narcotrafiquant! That's Tibon Mendez! What now? Is that it? Tibon Mendez, et là-bas? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Aïe, les problèmes. Et je prends une photo de lui quand même. Tiens, gros. Il fait quoi avec sa bouche? Ça va, mec? Oh merde! Non! Retourne-toi! Oh oh. Oh non! Oh, je vais le supprimer, ce jeu. S'il me refait partir au départ. Ouais, ça va. Ah, là, j'allais péter un câble. Je pensais que la mission était finie. Il fallait que je retourne au point, que je reprenne la voiture. Et on peut même pas faire une petite blague. Vous avez vu, j'ai détourné mon regard 2 secondes pour faire une petite blague. Abandonne la mission, quoi. C'est trop. Dora Naruto, merci pour le sub. Stoddy. Non, mais on peut plus s'amuser. There it is, Hans. Putain, il faut tryhard de San Andreas, quoi. Calmez-vous. Je dois le prendre en photo, là. Je te le mitraille, là. Voilà. Allez, un petit sourire, Ryder. Un petit sourire. Rod, little bitch. Bordel de merde. C'est terrible, hein.
Le pire joueur, San Andreas. That's T-Bone Mendez. Ok, j'ai assez concentré. On reste sur eux, tranquille. Paf. Gringo. Couteau. C'est qui le prochain? C'est lui, je crois. Ok, donc là, j'ai vraiment 2 secondes. How many of these clowns are there? Et on dirait le gars des inconnus. Comment il s'appelle déjà? Puis comment il s'appelle? C'était juste ça, quoi. Genre, t'as 2 secondes pour prendre la photo, c'est bon. À quel moment faut tryhard sur San Andreas? C'est des ouf. Pascal Legitimus. Ouah, Legitimus, il... C'est un narcotrafiquant. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Mais ramène-moi! Putain, tu vois comment ils gagnent du temps, Rockstar? Ils me font, regarde, ils me font... Qu'est-ce qui se passe encore? Oula! Intervention de la police, reporter en direct, la police qui fait feu sur c'est visiblement un gangster qui prend la fuite. Oh là là, et c'est un motard qui s'écrase littéralement en pleine bataille de policiers. On a un fugitif qui prend la fuite derrière ce tracteur. Ici Cyril, le reporter. On a un cadavre visiblement d'un homme avec une calvitie apparente, sans doute un hippie. Ah, la police qui tape les voitures des civils. On a des dommages collatéraux ici. C'est assez terrible hein, ce qui se passe. Malheureusement, la voiture qui empêche la police de prendre la fuite. Attention, hein, le fugitif est toujours recherché. La police qui a écrasé sous mes yeux, du reporter. J'ai une preuve. Elle a écrasé le fugitif avec aussi une deuxième calvasse. Il semblerait faire face à une organisation d'hommes à la calvitie. Le gang de la calvitie a été démantelé sous mes yeux, messieurs dames. Et la police hein, qui fait preuve de violence policière, qui esquinte le cadavre, qui fait disparaître toute preuve. Cyril, reporter, terminé pour aujourd'hui. Je vous jure, il se passe que des dingueries. Il se passe que des dingueries dans ce village à chaque fois. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé avec l'IA là. Et elle a écrasé le gars. Elle lui a foncé dedans, genre. Allez. Bam! Donc maintenant il faut que je retourne à San Francisco. Ils sont malins les gars, hein, ils sont pas cons. Regarde toute la route que je vais devoir me taper pour faire une mission. Oh, on a beaucoup de missions là à San Francisco. Allez, c'est parti. Ah, j'aime bien cette petite séquence de reporter. En plus là j'avais mon petit appareil photo. C'est mon travail de bon citoyen, si vous voulez, de contre-pouvoir à la police, de pouvoir montrer les bavures et ce qui est fait dans les rues quoi. Que les policiers, genre, ils tirent à vue, ils écrasent des gens. Et nous, on en a marre. Même moi, je ne le fais plus. Je fais attention aux civils, je prends soin d'eux. Je leur demande comment ils vont. Juste, je leur emprunte juste des véhicules un coup de temps en temps. Ah oui, il faut que je mange. Il faut que je mange. Parce que là, je vais perdre tous mes muscles. Je vais perdre tous mes muscles et ça, c'est pas bon. On a soulevé assez de fonte comme ça, c'est pas pour tout perdre. Donc on va se prendre un gros burger. Et j'ai raté la rocade. Merde. C'est pas grave. Raccourci Cyril. On est bon. Là-bas, il y a un petit burger. Attention, raccourci Cyril. Wouhou. Oh le wheeling. Oh la bavette. Frottez la bavette. Attention, pardon. Raccourci, Cyril. Oh. On est bien. Là, je passe par là. Et voilà. Attention, pardon. Raccourci, Cyril, j'arrive. Bonus de taré. Cascade de taré. Ça, on a le droit parce que c'est des gangsters. Ils ont qu'à pas faire des gangs. Non, mais oh. Ouais, je suis sûr ils vont venir vous... Ah non, ils sont vraiment tous morts, presque. Et lui, il s'en bat les couilles. Il est là, il se dit, yo, il s'est passé quoi, truc de dingue. Le gars arrive en bécane, il arrive désert, bam, il nous fonce dedans. Giovanni et Giulio sont morts sur le coup. Putain, ça craint, mon gars. Yo, je te jure, il est arrivé comme ça, il m'a tapé dedans. Ouais, je te jure, la vie de ma mère, je vais niquer, c'est mort. Je suis là. Je sais pas s'il sait que c'est moi, genre. Je pense pas qu'il est assez intelligent. Alors,
Putain, j'ai vu, il y a une moto qui vous a foncé dedans. C'était chaud, mon gars. Attends, je vais te prendre. Mais c'est quoi ce gangster qui a peur? Oh, la tapette, eh. Ouais, t'as peur de te battre? Bah, les gangsters de San Francisco, c'est plus ce que c'était. Depuis l'implantation de Google, tout a changé. C'est plus des durs. Y'a que des geeks maintenant. Y'a que des nerds à San Francisco. What does sir desire? Que des devs. Alors moi, je vais prendre un giga bœuf burger. Parce que je l'ai bien mérité. Voilà. Merci, sympa. Hope we see you again, sir. J'aimerais bien aller dans les cuisines. Attends, on va tenter un truc. Hop là. Non, on peut pas. Merde. Attendez. Ceci est un braquage. Eh, ça marche. Donnez-moi tous vos burgers. Je veux un menu. Attendez, je regarde. Un single shot. Un double barreled. Un buckshot spécial, un vegetarian grill, un seafood steak et des chicken bits. Allez, vas-y. En vrai, et l'autre, elle est où? Mais ça sert à rien de faire ça. Peut-être passer par là. Ah bah oui. Donnez-moi toute la maille. Yeah, got a gun in your face, huh? Don't blame me, blame society. Il en a rien à foutre. Merde. C'est un braquage de merde, je vais tirer dans le pied. Waouh, madame, vous avez des sacrées chaussures. C'est des chaussures par balles. Ah. Bah non, alors. Par contre, vous en faites un peu des caisses, hein. Je mets juste une balle dans le pied. Ah bah voilà. Ah merde, j'ai une étoile, on se casse. Vite. C'est vraiment un braquage de merde. Ça s'est pas passé comme prévu. Je pensais vraiment que... Ah, le retour de... du visage de CG. Dun, dun, dun. Allez, on va vite se barrer. Mais j'ai plus d'étoiles. Ah bah c'est bon. Visiblement, les crimes sont restés impunis à San Francisco. Il est tout à fait raisonnable de tuer les serveuses. On va se faire une petite mission... Le S rouge. Ah mais c'est le permis, je crois. Oh non. Alors ça, j'ai de très mauvais souvenirs. Je sais plus trop ce que c'est, mais je crois que j'ai passé un mauvais moment. École de conduite, il me semble que c'était vraiment chiant. Non? Pourquoi il me... Bienvenue dans l'école de conduite. Pour réussir, tu dois remporter le bronze ou mieux pour l'ensemble des 12 épreuves. Ah ouais, non, je déteste ça. Ah ouais, non, je déteste ça. C'est des vieux challenges tout pourris. Franchement, allez, on en fait un. Le gars qui change d'avis instantanément. Oh, waouh! Ok. Le drift. Fais un 360 en burnout. Ouah, le vieux challenge, quoi. Eh, frérot, je... m'a pris pour qui? Bah ouais. Bah voilà. Main ici. Le 180. Ah, en fait, c'est cool. Allez, let's go. C'est parti, attention les plots, attention, pilote. Ah merde. Mais ouais, c'est quoi cette bagnole? Le vieux truc. Ouais, ça passe, hein. Bouquet final, tu dois obtenir 70%. Ouais, facile, mon garçon, hey. Oui, vas-y. Allez. Ils me prennent pour qui? Moi, je suis un pilote en voiture. Facile. En fait, j'ai même pas envie de regarder. Je fais tout à l'arrache. Ah, il m'a crevé mes pneus, j'avais pas vu. Ouah, j'ai eu chaud, j'ai failli toucher le plot, là, regardez. Facile. Ok, tour de chauffe. Pas besoin de voir. On y va à l'impro, on y va à l'impro.
Tu vas faire combien de tours? Ah, 5 tours! Ouah, c'est chaud en fait! Ah bah non, c'est pas chaud du tout. À chaque fois, ça me rajoute du temps. Oh là là, le pilote! Mais Sébastien Loeb! Gade donc! Oh là là! Tant qu'il n'y a pas la pluie, c'est bon, hein! On est là! On est sur un 100%. Ici, on est sur un score final à 100%. Voilà, médaille d'or. Déjà vous, I just wanted to play before. Don Torino, c'est toi. Exactement, c'est le Guy. On m'a proposé un rôle d'ailleurs, bientôt. Je vais dans le prochain Fast and Furious. On m'a dit, mec, juste ta conduite dans les délios ultimes. Abusé, on te veut dans Fast and Furious. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, mais visiblement ça a fonctionné, non? Ah oui, d'accord, ok, j'ai perdu en fait avant. Easy, 100% monsieur! Merci The Rêve, merci pour le subs. Le 90, tu dois obtenir 70% ou plus pour réussir. Let's go! Bah j'ai gagné? Ah non. Merde. Ah. Bon. Oh, on est pas mal là. Ça va, ça passe. Ça passe. Merci Riyadz, merci pour ton prime. Oh, ça c'est chaud. Waouh, la dingue. Ok. Eh, ça vient de là les Wild Ride. Oh, l'ancêtre du Wild Ride. Ah ouais, l'ancêtre du Wild Ride. Incroyable. Oh! Yes, let's go! Petite balade. Waouh, ça c'est chaud. Hein. Ça en vrai c'est chaud. Oh, j'ai tout cassé. Eh, ça passe. Ah non. Négatif. Non. Mais c'est un vieux taxi aussi là. Oh, les belles! Oh, les magnifiques! 100%. Même pas, il me donne à 78. C'est l'enfer. Vous savez qui vous parlez, monsieur? Vous savez combien de courses what the fuck j'ai fait, moi? Intervention rapide. La queue de poisson. Bon, ça, on connaît, hein. Allez, dégage. Oh, je l'ai mis out of map. Ça a pas marché, je crois. Je crois qu'il a pas apprécié. Ça passe pas, ça? Pour envoyer, valser l'autre caisse avec un minimum de dégâts. Ah, il faut que je termine le plus proche possible de l'autre bagnole, en fait. Ah ouais, c'est chaud, putain. Police, veuillez vous arrêter. Mais ouais, mais c'est lui qui part à Pétaouchnok, c'est bon. Mais attendez, j'ai fait combien d'épreuves, là? On est à la fin ou quoi? Il m'a dit 12. Waouh. Mais ça, mais les gars, c'est... Imaginez ça, c'est les ancêtres des courses what the fuck. La vie de ma mère, j'avais réussi, mais merde, ça s'est mal fini. Ah non. Ah si. Let's go! Elle est magnifique, monsieur! 100%! Non, mais il y en a trop, là. J'ai pas compris ce que c'était, mais bon. C'est quoi? Je dois faire quoi, là? Hein? Ah, c'est une course, genre. Ok. Vas-y, je vais tout droit. Je dois aller le plus vite possible. Allez, on y va. Wow. J'aurais peut-être bien fait de lire les règles, peut-être. Ça aurait pu m'aider. Je suis en pleine course. Dégagez. Raccourci. Ah, désolé, je passe mon permis, excusez-moi. Ah, je sais pas si avoir une étoile, c'est une bonne chose pour le permis. J'ai rien compris, mais j'en ai assez. On va rester là. Parce que j'en ai fait combien, là? Vous savez combien j'en ai fait? Bon. Écoutez. Moi, ça me va, hein.
En vrai, c'est de la mission secondaire, ça. Comment je sors de là? Au secours, je suis prisonnier à l'auto-école. Je suis peut-être pas sorti par la bonne porte. Merde. Ah, c'est la dernière. Ah, merde. Bon, allez, on l'a fait. Allez, 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 allez. Je vais juste regarder les règles. Ça peut peut-être m'aider. Glissade en ville. Ouais, mais ça me dit pas ce que je dois faire, du coup. Tu dois obtenir 70% ou plus pour réussir. Ah, fais un aller-retour jusqu'à l'autre bout sans esquinter la caisse. Ah oui, sans esquinter, bah oui. En moins de 2 minutes. Ok, let's go. Oh, bah, j'avais bien perdu, alors. Oh, attention, je dois... Ah, je dois pas esquinter la caisse, mais c'est eux, là, qui... Les problèmes. Ils se mettent tous sur ma route, ok. Faisons simple, faisons efficace. Si je puis me permettre. On passe par là. On va suivre l'itinéraire prévu. On va être sage. On va faire comme Rockstar nous dit. Ah! Le carrosserie! Ah! Il va me l'escater! Oh, attention! Oh! Alright, on est bon. Demi-tour de l'extrême. Hop. Ce jeu a un vrai problème avec moi. Waouh! La définitive édition! Vous avez vu la Full HD 4K? On est en 2021. Ok, celle-ci c'est la bonne. Avant c'était vraiment pour m'entraîner. J'étais pas focus, j'étais pas dedans. Merci Kuronolachi pour ton sub. 12e mois! Merci beaucoup. Bah, la grande forme, et toi? Qu'est-ce que ça dit? Eh hey, les gars, j'ai rien touché pour le moment. On est sur un 100%. Hein. On est sur un pilote. Hein. On est sur un pilote de l'extrême. Et teabag! Teabag! J'ai eu chaud. Merci T-Bag pour ton sub. Ok, on est en dessous des 60 secondes, donc là c'est bon. On fait pareil et c'est win. Hein. On est sur un 48 secondes. Donc on est en dessous des 120. Ça me paraît bien. Ça veut dire que j'ai fini l'auto-école en 2-2. Hein. Allez. On y croit. On est fort. On est vaillant. Wouhou! Oh shit. Oh non, la fin! J'espère que ça passe. J'espère que ça passe. En vrai, j'aurais pu freiner, j'avais le temps. Gourmandise. Gourmandise, comme toujours, de toute façon. C'est toujours comme ça. Une 33. Oh, on est bien. Score final 94. On est bien, on est bien. On est très, très bien. Let's go. Ça va pas cracher, qu'est-ce que c'est ça? Une erreur et s'est produite, oui, c'est-à-dire. J'ai gagné quand même. C'est bon, j'ai gagné. Ouais, on est bon. On est bon. Ah, je me suis trompé de porte. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est validé, let's go! Like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude, the garage is coming along nicely, man. Ouais, je vais sauvegarder parce qu'il y a une erreur de sauvegarde, donc on va pas prendre de risque. Un club non officiel de course. Nice. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. All right. Think about it, and I'll holler at you. Later, man. On a les petites courses what the fuck. Alors du coup, ça veut dire quoi que la... Attends, à chaque fois... Ah, c'est quoi ça? Mais non! Je voulais parler à la dame! Mais c'est mal foutu! Parce que attends. Ah, mais non, elle est plus là du coup! Ça tombe, il y avait un truc et tout, j'aurais pu la pécho! Je refais peut-être? Ah, allez, ça a marché! Ah, je suis mort! Bienvenue en 2021. Écoute, faut que tu bouffes plus pour que ça impressionne la dame, gringalée. Faut que je bouffe plus? Mais meuf, je suis carré comme Jaja. C'est-à-dire quoi? Tu veux un fat CG? Tu veux un gros CG? C'est ça qui t'excite? Ça peut se gérer, hein. À tout moment, je vais au fast-food, je commande en balle.
Pourquoi elle dit que je suis maigre alors que je suis méga musclé? J'ai fait tout ça pour rien. Ouais, elle veut que je sois gros, on est d'accord. Moi, j'ai compris ça, elle veut du gras. Désolé, ma petite dame. Je prends soin de mon corps. Du coup, j'imagine que j'aurais pu la pécho. Salut, Pandou! Salut, petit moulot, comment ça? Mais pourquoi je prends tout le temps la mauvaise porte? Un truc de fou. Attends. Attends. Si je calcule bien, je suis sorti par cette porte-là. Donc, si je sors par cette porte-là... Ah, voilà. C'est ce que je me disais, j'ai peur. Mais putain, c'est un labyrinthe, le truc. Tu n'en sortiras jamais de l'auto-école. Il est molli. Je vais revenir avec Big CG, t'inquiète pas. Excusez-moi, la police. Ouais, elles sont trop longues, c'est bon, tu m'as saoulé, j'ai pas ton temps. Ah, des sous. Et ils sont trop gentils, les gangsters de San Francisco, à chaque fois on les tue, ils disent rien, regardez. Excuse-moi, j'ai juste tué tes deux potes et bris tout le fric. Mais tranquille, gros. Allez, à la prochaine. Et ils sont trop gentils à San Francisco, même la police, ils disent rien. Allez, hop. On va faire des petites missions. Et je vais sauvegarder surtout. On va pas prendre de risques. Non mais les gars, ça va être trop long de devenir gros. Ça va prendre un temps fou. Hey man, you get the flicks developed. What's up, Woolsey? Hey Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big. Loco Syndicate. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Merci, Zaga. Now, this guy runs things. I don't know his name. Ah, on va savoir this qui. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? Ça devient intéressant. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, did he my way in? How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gantt Bridge. Oh, on va aller au club de striptease. Hey, good looking out, Wolf. Let's go. Don't be a stranger. All right. Hi hi hi. Oh. Oh là, et ça m'inquiète ça, ces erreurs de sauvegarde là. Pas bon ça. Je suis obligé de sauvegarder manuellement. Ok. Direction le club. Enfin je crois. Club de striptease. Attention les jeunes. Attention les mineurs, on ferme les yeux. On retourne sur un petit live friendly. Family friendly. Salut Lulu. Relance le jeu peut-être. Oui c'est vrai. Mais tu sais, je suis un homme qui aime le danger. J'aime vivre dangereusement. J'aime prendre des risques. Mais j'avoue, je vais finir la mission et puis je vais relancer. Hop. On va passer par là. Et puis par là. Hop là. C'est loin ce bordel. Ouais, j'ai un problème avec les voitures, je vous jure. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Attention. Je vais au club de striptease, écartez-vous. Mais les flics... Reporter en direct. Reporter. Nous assistons à une course-poursuite de police. Le fugitif en véhicule rouge prend la fuite en direction du centre-ville de San Francisco. Et la police qui entre dans le fugitif et ils descendent. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Ça va être une carnage, c'est une fusillade. Les fugitifs prennent la suite. Je filme ça, c'est en direct. Attention, il passe devant le policier. Oh mon Dieu, il a été abattu de sang-froid. Et la foule qui prend la panique. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Sur qui il tire? Qu'est-ce qui se passe? La police qui prend le véhicule, hein. On est toujours en filature, on les suit. Ils vont sans doute s'occuper du dernier fugitif qui s'est glissé dans la foule.
On n'a aucune idée de là où il est. Ils sont toujours à sa recherche. Oh. Ah, ils se sont trompés. Bavure policière. Bavure policière, ce n'était pas lui. Je ne crois pas, je ne sais plus. Il va falloir regarder les archives. Je demande aux gens à la régie, est-ce que c'était lui? Est-ce qu'il faisait partie des criminels? Moi, je prends quand même son argent et son flingue, on sait jamais. J'ai toujours pas... Oh putain, la voiture de flic qui va exploser. Waouh! Bavure policière. Plusieurs civils ont été... Putain, mais pourquoi il pousse? Ah, mais pourquoi il pousse lui? Mais c'est un carnage. C'était bien lui, hein. On me confirme à l'oreillette que c'était lui, visiblement. Mais tous les gens ont des armes à San Francisco? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on approche d'un quartier plutôt... Alors, il y a un problème, par contre, dans cette version, où je sais pas si dans... Mais je peux aller sous l'eau, mais je ne peux pas bouger, quoi. Je vais que sur place. Le suspect était bel et bien armé, on me confirme à l'oreillette. Il y aurait plusieurs victimes collatérales, hein, parmi les civils, notamment dû à l'explosion du véhicule. La vie a repris son cours dans le quartier, visiblement. Moi, j'ai perdu mon véhicule. C'est la fin du petit reportage. Oh, il faut trop... que je me prépare une alerte flash, ouais, dès qu'il se passe un truc comme ça, genre en mode journaliste. Nous sommes en direct de San Francisco. Ok, on va aller là. Bah du coup je pense pas que ce soit un club de striptease, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un spectacle plutôt. Ah bah si, ouais. Je savais pas qu'il y avait un club en dessous du pont de San Francisco. Waouh. Frottez-vous les yeux les gars. C'est le Mac. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hoe. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. Wow. I thought you was the man with the hook. C'est plié en deux derrière. And you was the man I needed to see. I'm offering my services. Qu'est-ce qu'il raconte, CG? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for. A guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, comment le touche? I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. The bar. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes. Everywhere. Pascal Legitimus, le proxénète. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you. Go find out. All right. No problem. You my player partner now, Jizzy. J'avoue que c'est pas un club méga fréquentable. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch okay, Pascal. The player. Treat that baby like the Pope Mobile. T'inquiète, Pascal, je m'en occupe. J'avais oublié les tatouages en 3D de CG. Eh ouais, mon gars, on fait des tatouages relief. Bon, elle va causer. Ooh, what a strong bitch. Oh, elle parle de mon corps, elle aime mes muscles, vous avez vu? Ever had happen half with a social like me? Oula. Wow. Yeah, go on. I'll do things your Rutka won't. Oula. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Oula. Elle voulait juste mon flouze. Catin. Je pensais qu'il y avait un vrai feeling, moi. Je ne mange pas de ce pain-là. Oh, j'ai mon... On voit pas qu'il remonte là, waouh. Je crois que toutes ces secousses m'ont remué l'estomac. Later, essay. Michto. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church. Got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Ah ouais, mais je m'occupe de tout le sale boulot. He's a player been trying to peel my holes over in Hashberry. Now one of my girls over there, c'est tellement ma voiture préférée à l'époque. Les bonnes voitures cubaines. J'avoue qu'elles sont trop classe. J'ai trop hâte
La semaine prochaine, je risque de voir des photos comme ça. Je vous ferai des petites stories pour ceux qui veulent. Je vous ferai des petites photos de ces bagnoles-là. Je pense qu'il doit en rester encore pas mal à Cuba. La meilleure dans ce style-là, je sais pas si tu l'avais aussi sur GTA 3, c'était la noire avec des flammes. Elle était incroyable. Il y en avait partout dans le quartier, justement, je crois que des Mexicains ou un truc comme ça. Mythique, la bagnole. Allez, on se bandit. On est tombé bien bas. On s'occupe de la base besogne du Mac de San Francisco. Ouais, la Havane, mais je sais pas si on a encore tant que ça en vrai. Je pense qu'il y en a, mais c'est pas le cliché qu'on s'en fait quoi. Oh waouh! Oh merde, j'ai tué la meilleure gagneuse de Jeezy. Rien qui va. Mais pourquoi c'est mise là? Ouais Lulu, je vais faire un petit vlog. Ouais. Je pars quelques jours et je reviens. La dingue! Je l'ai fusillé. J'aurais dû descendre de la bagnole, c'est plus précis. Y'a que ça là-bas, tellement c'est pas cher. Ah ouais? Nice. Ok, bah de toute façon, je ferai des petites stories et tout, on verra ça. J'aimerais bien en conduire une. Mais j'avais pas trop le temps, je crois. Je crois que je reste à peine une journée à la Havane. Ouais, j'avoue que la pauvre madame, elle a pris cher. On va faire gaffe, je vais descendre. Here comes my player, now you in real trouble. This is my track, sucker. Ouh! Remonte dans la Mac mobile. Merci Jay, des Lulu, merci pour vos subs. Tu ramèneras des cigares. Ah ouais, du rhum aussi, j'adore le rhum. C'est mon alcool préféré avec le vin. Rhum et vin for life. Regardez mon tatouage 3D, ma belle montre. Ok, on s'occupe de sauver les petites prostituées de Jeezy. Bon là, le but c'est de se rapprocher de lui pour démanteler le réseau, voir ce que fait Ryder. Ouais, je suis un pirate, moi. C'est cigare, rhum et vin. Oula. Ah ouais, sous les ponts, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ils sont en train de la tabasser, mais wesh! Mais arrête ça, c'est horrible! Quel enfer, madame, ça va bien? Oula. Oh ouais, le déglingue. Vas-y, venge-toi. Attends, je vais t'aider. Voilà, c'est bon, il est mort. Désolé, j'ai un téléphone. La pauvre, comment elle se faisait tabasser de ouf. Mr. Jizzy, c'est un petit coup de savate. You're the bad luck charm, flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Allez, on va s'occuper de celle de tout à l'heure. Les gong. Excusez-moi. Ah mais il y a l'hydraulique dessus. Ouais, il y a l'hydraulique. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Je vais l'enlever parce que je me connais, je vais faire un accident. Oula. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si c'est pas très grave si j'abîme sa voiture. C'est quoi tous ces kikiki? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça va pas? Vous allez bien? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je l'ai déjà fait la mission avec Claude. Bah faites-vous plaisir, hein, utilisez les emotes hein, pour ceux qui sont sub.
Main, il se la pète. Il se la pète. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon my corruption. Driver. Oh mais attends, c'est horrible en fait, le prêtre il veut se la faire. Non? J'ai l'impression. Descends le pasteur et ses gardes du corps. Oh! C'est pas bien ça, tu es. Oh mais ça, ça a dû faire. Eh, ça a dû faire scandale. Oh merde, j'ai tué quelqu'un, je crois, derrière, j'ai entendu gueuler. Je m'en occupe. Ah ouais, mais il est en train de se faire... Il est en train de se faire la prostituée, le prêtre. Tu as arrêté de me faire de la prostituée. Vous êtes un homme de Dieu. Oh putain de merde. Oh. Mon père, arrêtez, vous allez pécher. Je viens vous sauver. Il a cédé à la tentation. Rangez cette quéquette, mon père. Oh oh, mais la femme va mourir. Ah bah elle est morte, hein. Ah bah là, elle est morte, hein. Elle est morte en lui croquant le petit Jésus. Oh waouh. Mais c'est quoi ce bordel? Oh merci le civil, il m'a sauvé la vie. Get down and stay down. Qu'est-ce qu'ils font là, oh, les flics, putain. Merde. Avec le prêtre qui se fait croquer le petit Jésus. Je vais essayer d'aller plus vite. C'est un jeu de ma boule, je te dis. J'en sais rien, moi. Y'a rien qui va de toute façon. Ah. Allez, on va se la refaire. Là, j'ai pas eu de chance en fait. On est tombé sur la police. Y'a rien qui va. Là, c'est le prêtre qui arrive en limousine. Il s'en passe des choses à l'église. Je pense que quand le jeu est sorti, ça, ça a dû faire tellement scandale. Le prêtre qui vient en limousine pour se taper une pute. Aïe, aïe, aïe. Les mots sont durs. La combinaison est pas évidente. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. En plus, il est escorté et tout, quoi. Pas les dents, pas les dents. Allez. Est-ce que vous voulez que je l'observe un peu, voir ce qu'il dit? On va voir ce qu'il dit un peu. Merde. Bah alors, monsieur. Alors, mon père. Ah bah non, ils m'ont capté direct. Ils m'ont capté direct. Oui. Ah ouais, ils m'ont capté direct. Mais en fait, j'ai... si je tire à gauche, c'est plutôt tranquille, en fait. Ah, si je fais comme ça, c'est mieux. En fait, faut juste que je me mette à chaque fois sur le côté droit et c'est plus efficace. Posez votre main là. On se demande sur quoi elle pose sa main. Waouh. Oh, j'aurais pu mourir dans l'explosion là. Merde. Je pensais pas qu'il exploserait comme ça d'un coup. Allez. Arrêtez, monsieur. Mon père. Vous commettez l'irréparable. Ne cédez pas à la tentation. Oh 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 oh, non. Ouh. Ouh. Ouah, je viens d'échapper au pire. J'ai failli exploser et écraser un flic. J'aurais eu des étoiles. Le combo, quoi. Oh merde, j'ai une voiture de flic. Je peux pas. Faut attendre un peu. Ok, c'est bon. Mon père, sortez de ce véhicule. J'arrive pas à le rattraper, hein, putain, il... Oh. Oh non, il me suit. Ah, écartez-vous, il va péter. Oh waouh. Ouh.
C'est ça la mission, ça. Il y a les roues, les cadavres, les flammes, il n'y a rien qui va. Regarde là. C'est incroyable, ça. Non, je peux pas tirer devant. Tu peux tirer que sur le côté en voiture. C'est qu'en moto que tu peux tirer devant. Ah, nice. Mission réussie. 3000 les. Ah, merde, j'ai les étoiles. Oh, oh shit. Ah, il faut que j'aille sauvegarder. Oh, oh, oh. Ouh. Mais laissez-moi tranquille. Putain. Attends, elle est où la sauvegarde la plus proche? Elle est là. On va sauvegarder. Et let's go. Let's go to the go. Ok. On va prendre la petite sauvegarde et je vais relancer vite fait. Pour pas prendre de risques parce que là en fait toutes les sauvegardes automatiques sont buggées. Et j'ai vraiment peur que... Tu vois dans la sauvegarde auto on est toujours à photo opportunity. Et c'est genre avec ça qu'on a commencé quoi. Ah j'ai un appel mais tant pis. Alors je vais juste... De toute façon vu qu'on est sur PS5 vous allez voir ça se relance en 2-2. Hop. Allez on espère que ça marche, on croise les doigts. Ah. Oh c'était quoi ça? J'ai pas eu le temps de choisir. Il y a visiblement un bug sur le cloud. Putain, on est déjà à une heure. Ça passe trop vite. C'est un truc de ouf. Ah merde, j'ai fait reprendre, mais je sais pas si ça va être la bonne. Ça m'a l'air bon, hein. Vu qu'il y avait le coup de fil. Allez. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. C'est qui, Woozy? Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Ah oui, Woozy, c'est le hippie. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Ok, ça m'a l'air bon. Hein. Ça m'a l'air bon. En tout cas, enfin, là, j'ai chargé ma save. Maintenant, on verra si les sauvegardes auto fonctionnent. On va aller au Z. Non, bah j'ai pas pu y aller voir la meuf de l'auto-école vu que je suis pas gros. Elle veut que des gros. Bah il est où le Z? What? Pas de mission. Faut que j'achète une maison. Faut que j'achète la maison? Yeah, it's about compensating for other shit. Faut acheter la propriété, ouais. Sérieux? Wouah, j'ai pas assez, de toute façon, je peux pas. Ou alors, faudrait que je tue quelqu'un. Si je tue quelqu'un. Oh, thanks for the money. Waouh! Ah, il m'a pas donné assez, hein. Et toi là, donne-moi ton fric! Ah non, il me faut encore 800$, ça va être trop long. Bon, tant pis, on va faire une autre mission, c'est pas grave. Allez, on va aller voir le. On va aller voir Woozy. Woozy, ça paye. Attention! Pardon! Ah, bah cette fois-ci, j'ai les flics. Ils ont pas apprécié. Et du coup, ça a servi à quoi les missions de l'auto-école là? Ça m'a littéralement rien changé. Ah, là, c'est Chinatown. Chinatown. Mountain Cloud Boys. We're close, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Ouais, j'avoue. Je me suis fait arnaquer. Come on, Burstow. Come on, go, go, go.
I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Ah. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? Ah oui, c'est vrai qu'il est aveugle, en fait. We call him our lucky mole. Aye. I keep that mom. Good. Woozy! Hello, Carl. Man, come in, Matt, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. Let's go. Je suis clairement Morpheus. Merci Yanis. Merci pour ton Prime. All right, don't trip. Allez, direction la réunion des Tongs. The Blood Feather Triad have a plan. Hop, pardon. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of biz? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure if they're gaining any courage now, but nervous about the situation. This is a place. Come on, it's this way. Oh merde, j'ai les flics. Non. Wunzu. Oh, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, just shut up, Carl. Ah ouais, mais les flics, ils vont niquer toute la mission, là. Ah ouais, ils veulent me frapper. Hey, what's with all these people? Woozy! Je sais que t'es aveugle, là, mais si tu pouvais te dépêcher, parce qu'il y a un flic qui est en train de me tabasser, tu peux avancer plus vite, s'il te plaît. Ok, top, nickel, je te suis. Viens, dépêche-toi, Woozy. Il va se prendre le mur. Woozy, mais merde, putain, faut que je tourne. Woozy, si tu voyais ce qui se passe, je te jure que tu te bougerais un peu plus le cul. Ok, j'imagine que c'est là. Oh nice, il y a une cinématique. Il y a le flic derrière, regarde. Il fait quoi? Strange, this gate is usually locked. Stick close. Vas-y, faut qu'il se barre le flic là. Il est passé à travers la grille. Oh man, Woozy, what's got you so spooked? Oh, sorry, didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out. Daidailo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us, cut us all down. Shit! Here they come again. La grille. Viens les... V'là le gang. Ah non, y'a le flic, il va me faire chier. Bon, je dois le buter. Désolé, policier, dommage collatéral. Alright. Attends, j'ai juste regardé un truc. Ouais, ok. Ça manque de musique, je trouve, dans les missions comme ça. Petite musique épique. Doo 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 doo. Voilà, c'est réglé, c'est de l'histoire ancienne tout ça. Je suis désolé pour le policier qui est mort. Oh waouh. Plutôt efficace. Oh waouh. Allez, on y va, vieux. Alors attends, est-ce qu'il va... Même si t'es aveugle, tu sens qu'il y a des flammes quand même, tu vas pas passer à travers, non? Là on peut pas passer là. Waouh, comment on fait?
Wuzu? Wuzi? Keep them busy. Ah, c'est bon. Hey, Wuzi, ne va pas là, c'est... Il est dans les flammes. Hell, shoot, that was a sniper bullet. CJ, take out that sniper. Alors, le sniper. Attends, mais il y a du monde, là, c'est chaud de ouf. Je vais peut-être attendre qu'il se rapproche. Il n'y a plus trop de balles, hein. Ah, il s'approche pas. Putain, c'est chaud. Oh non, Wuzi est mort. Ben oui, mais bon. Putain, t'as vu ce qu'il fait aussi? Il fonce dans le tas. Allez, on y va, on perd pas de temps. Le truc, c'est que là, j'ai pas beaucoup de munitions. Oh merde! Je voulais pas que ça explose, justement. Oh là là, le combat de Cotorep. Le truc, c'est que là, c'est chaud. Bah ouais, là, c'est... Waouh! À la seconde où je passe une... Ah, mais attends, j'ai une idée. Toujours la voiture, toujours. Yes! Allez, viens, j'ai une idée. T'inquiète, j'ai passé mon permis tout à l'heure, je sais comment ça marche. Waouh. Oh merde, moi je suis mort. Eh, c'est chaud de ouf. Le nombre de personnes qui... En fait, je peux pas passer avec les flammes. J'ai genre rien pour me protéger. J'ai envie d'épargner le flic, mais bon. Allez, on y croit, on va y arriver. Il me faudrait des meilleures armes là, il m'aurait fallu un sniper. Ah, j'ai pas de gilet. Oh, merde, ils sont là. Je vais essayer de pas les détruire. Ok, nice. Là, c'est mieux. Comme ça, là, j'essaye de... Oh non, mais c'est trop chaud. Ok. Ok. J'essaye vraiment un par un, tu vois. Oh là, il est trop loin. Merde! C'est chaud, hein, le système de visée. C'est chaud! Allez. En vrai... Oh putain! Merde! Oh oh. Ouh. Ah, ça m'arrange, hein, s'ils viennent sur moi comme ça. Ça, ça m'arrange. Ok, donc là, il reste plus que 3. C'est faisable. Let's go! Il en reste un. Délicat, hein? C'est toujours délicat. We got more company. Wow! Hollywood! You drive. I'll send them back to the suits. Et comment il fait pour tirer s'il est aveugle? Ouais, faut les tuer du coup. Rapété! Voilà! Easy! Ouais, je vais m'acheter un gilet pare-balles après. On va être bon. Token of the town's appreciation for what you did today. 5000 dollars, let's go! On va en refaire une. Comme ça, après, on pourra acheter la propriété. On pourra faire la mission de Z. Du Z. Ranfali. Hey, Woozy, my man. What's going down? Il est cool, ce personnage, je trouve, Woozy. Let me introduce you to Shuk Fu, Ranfali. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. Il voit bien l'aveugle. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family. J'ai jamais fini Milikis. Da Nang boys are preparing to move to the United States.
This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. Il a la même coiffe que Claude. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danang boys. Oui. Mm. Okay. Thanks for your support. Parle pas beaucoup, le vieux. Il ronronne. On dirait les rois dans Clash Royale. Récupère la caisse au parking de l'aéroport. Alright. Mais c'est chiant que tu dois passer tout le temps au Ammunition en fait pour prendre les gilets pare-balles. C'est pas. Ça fait un gros détour. Ouais, ouais, c'est des tatouages en 3D. C'est normal qu'ils ressortent. Tu connais pas ça, les tatouages 3D? Tu connais pas? C'est nouveau, c'est la tendance. Ah bah c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est bien un aéroport du coup là-bas. Je sais pas s'il y a des avions, mais... Oula. Attention. Attention. Oula. C'est quoi ce bruit? Elle fait un drôle de bruit la caisse. C'est quoi ça? C'est toujours c'est l'aéroport. Ah mais oui, c'est l'aéroport de San Francisco, j'aurais connu un peu le style. Chope la caisse. Ouah, c'est quoi ce délire? Un souterrain de ouf. On voit plus rien là. Ah ouais, il y a peut-être un hélico ou quoi. Alright, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une embuscade! Les Danang Boys sont en train de bloquer les sorties! Oh oh. Ramène la caisse au garage. Oh waouh. Ah! Bah, je passe par là, je m'en fous. Oh waouh! Stylé. On se casse! Croche les Zebrain! Leur vieille embuscade toute pourrie. C'est qui ça? Bah dans le doute. Ah bah je crois que c'était un méchant. Bah il est mort. Allez ça dégage. Les fameuses embuscades où ils te laissent tous les trottoirs pour t'en sortir. Facile pour les joueurs français. Allez hop. Terminé mon sort. Oh non, la pluie de sperme. Fuck. On est yam. Ça, j'aime vraiment pas cette petite pluie de sperme. Va falloir qu'il se calme. Ouais, je vous fais un petit peu de musique, hein, vu qu'on peut pas avec les copyrights. Je vous fais la mienne. Merci Minox. Merci pour ton prime. Merci pour ce petit kiki. Raté. Et regardez, il y a encore un néon violet. Le mystère du néon violet. Facile. Oh, 6000, ça y est, on commence à palper, les gars.
on commence à palper du sale. What would Sir like? Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend la totale, allez, on se prend la totale. Petite totale, pizza totale, voilà. Et on sera good. Qu'est-ce qu'on va se faire comme mission? On en a encore pas mal, hein. Bah on a toujours Woozy. Ça, c'est l'auto-école. Ça, c'est le Z, mais il faut acheter la maison. Ça, c'est... Ah, bah ça, ça doit être les courses de rue. Ok. Et pourquoi elle est rouge, la maison, déjà? Ah oui, c'est parce que tu peux pas encore l'acheter, je crois. Alright, bah écoutez, moi, je pense que j'aime bien l'émission avec Woozy. Ça fight un peu, là, avec les triades et tout, c'est stylé. Merci beaucoup, Devilbach, c'est très gentil. Est-ce la vérité? Pourquoi avoir choisi le coquelicot? C'est un très mauvais choix. Tu vas mieux. Allez. Faisons le petit Woozy. Que cette pluie de sperme cesse. On en a marre. Oh là. Oh, je suis passé au-dessus du feu. C'est beau ça. Regardez un petit raccourci. Hop, hop. Ça se casse ça. Ah non. Waouh, c'est costaud. Je crois que je me suis. Ah non, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Merde, je me suis fait arnaquer. Ça passe pas en fait. C'est par là. Waouh, c'est quoi ça? Ouh. Eh bah, plus de voiture. Et bah, la voiture elle est cassée. Oh oh. Je vais mourir. Non. Partez, fuyez! Malheureux! Mais je vous ai dit! Ah, excusez-moi, j'ai un télé. Taisez-vous. Silence. Catalina, is that you again? Catalina? Elle m'a appelé. Elle est folle, elle. C'est vraiment les ex folles comme ça. Ça existe, hein. Je sais pas si vous en avez déjà eu, mais. Si c'est le cas, faut fuir. C'est comme ça, faut fuir. Faut bloquer le numéro, faut tout bloquer. Bloquer Facebook, tout ça. Ça, c'est trop les ex toxiques. Il y a des malades, hein. Allez. Let's go, petite mission. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Le B-word a été lâché. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. On veut de la maille. Je crois en plus, il me semble qu'eux, ils sont. Ils dirigent. Je crois que c'est après, c'est pour ça que tu vas genre à Las Vegas. Las Venturas. Parce que c'est eux qui dirigent les casinos ou un truc comme ça, je crois. Putain, il y a encore tellement de trucs à découvrir. Autant San Francisco, je m'en rappelais plus trop. Las Venturas, les gars, vraiment, je m'en rappelle plus du tout. Franchement, je me rappelle plus du tout des missions à Las Vegas et tout, les casinos, je sais même pas s'il y en a. Ça va être full découverte. Alright, on est parti. Toujours petite guerre des gangs. Donc là, j'ai pas. Pourquoi on bosse pour lui? Je sais pas, j'ai pas trop suivi. Las Venturas. Las Venturas Parano. J'ai la ref. J'ai la ref. Coucou.
C'est pour l'oseille. Que pour l'oseille. Il y a forcément autre chose, non? Oh oh. Mais ouais, j'ai un problème avec l'équilibre en voiture. C'est pas possible. Au moindre truc, tu te renverses. Oh, c'est quoi ça? On va passer par le pont. Bah ouais, vu qu'ils ont la trahison de Groove Street, mais bon. Je pense pas que lui... il va nous aider là-dedans, quoi. Allez, on y est presque. Et il commence à nous faire rouler de plus en plus hein, dans l'émission, quand même. À chaque fois, tu dois, putain, rouler un bon 3-4 minutes. Alright, on y est. Ah oui, là en plus, dans les vieux hangars comme ça, ça sent la baston. Embuscade. Suis les points de passage à travers la campagne. Ah oui, il faut que je les amène. Ah, il me tire dessus. Mais je dois les tuer, non? Ah oui, je peux les tuer. Il ne sort pas de la caisse. Bah écoutez, je tue que le tireur. Dans le doute, je tue que le tireur. Ah, on va passer par le pont invisible. Ah ouais, y'a aucun respect, genre. Ils ont même pas testé le bousin, quoi. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas celui-là. Autant pour moi, ce que j'allais dire. Ça a été grave. Ah, ils arrivent. Ah, je roule à deux à l'heure. Allez. Roule. Bah il va bien, mon chien Nico, il est là d'ailleurs. Il est juste au-dessus là. Il est dans le salon. Il est sage, mon petit chien. Ok, pour le moment on est pas mal. La course-poursuite continue. Putain, il y avait un truc à côté de l'arbre. Je sais pas si vous avez pu voir. C'est pas un véhicule spécial ou un truc comme ça? Oh fuck. J'ai pas eu le temps de trop voir. Bonne chance pour demain, Jama. Bonne chance pour les cours. Oh, on n'est jamais passé par ici. Le fameux pont. Le tunnel. Le tunnel du Mont Chiliad, là où on passe en avion de chasse. Salut Woody, comment ça va? Bon, elle est facile hein, cette mission pour le moment. J'ai juste à rouler quoi. Ils sont loin derrière. Et c'est là qu'on fait une embuscade ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hey! What are you doing? Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfai Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety, thank you. Cool. Non, y a plus le mode de joueur, hein, pour ceux qui demandent. Ah, il va voir qu'il y a personne. It's Decoy! Back to Chinatown! Ah ouais, juste ça, putain, 8000. Oh, ça gagne bien de bosser avec eux, let's go. Putain, je vais juste lui prendre sa moto. Donne-moi ta moto. Non. Non. Bâtard. Merde. Non. Merde. Ah bah. Ah l'enfoiré. Ah celui-là, c'est pour moi. Ah non, c'est un tracteur, merde. Ah, on voit clairement les voitures spawn, hein.
La police. Ah yes, c'est bon. Yeah. Yes, salut. On va passer au Ammunition, les gars. Ouais, là, on commence à tâter un petit peu des sous-sous. Ça, c'est bon. On va pouvoir s'acheter des petites armes, gilets pare-balles et tout. Allez, let's go. C'est ouf qu'on ait toujours pas la K-47 et tout, M4 et tout. Putain, c'est incroyable quand même. Ah, putain, juste quand j'en parle. Yes, AK-47, let's go. Donne-moi ça tout de suite. Trop bien. Je vais pas en prendre trop non plus. On en prend une. On va prendre le gilet. Voilà. Voilà, là on est chargé. Ouais. Je garde un peu d'argent pour la propriété aussi. C'est 30 000, comme ça il nous reste 14 000. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est mon Chilian. Il faut qu'on retourne là, de toute façon. Hop. Allez, on est parti. On retourne à San Francisco. Et c'est mardi. Oula. Il n'y avait pas de sniper, je crois. Mais en fait, la cage, j'avais réussi à la choper lors d'une mission, mais après, comme je suis mort, je l'avais plus et tu pouvais pas l'acheter et tout. C'était vraiment un petit coup de chance, quoi. Donc, j'avais pu l'utiliser que pendant cette mission. Wouhou! Liberté! Oh là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les flics faire une bavure policière. Ils sont sages ici. Ah, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de balles dans la mitraillette là. J'aurais peut-être dû en acheter. Je vais en racheter au pire, c'est pas grave sur la route. Raccourci. Ça passe. Oula, ouah, j'ai chaud. Il est où le Ammunition? Il est par là. Ok, on va tenter un truc. Raccourci. Ah non. Ah, why? Oh merde. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Oh, une petite voix. Oh, il y a une dame, c'est qui ça? Waouh. Attention, malheureux. Salut, toi. Comment ça va? Salut, moi c'est Katie. Ça te dirait de sortir un de ces jours? Waouh. Tu vas super vite, Katie. Call me whenever you can. Ok? Oh, great, I'll call you later. Alright. Bon, bah. Les gars, j'ai pécho à San Francisco. Katie est ta meuf. Waouh, ça va super vite maintenant. Cathy peut te faire sortir gratos de l'hôpital. Nice. Bon, bah, écoutez, le destin est parfois fait de surprises et. Cathy en fait partie. Merci, belle Cathy. Putain, tu dis bonjour à une meuf, c'est ta meuf, c'est incroyable. Quel chanceux ce CG! Quel flow! Et ça, c'est quoi? Ah ouais, si je meurs, je perds pas mes armes du coup, c'est ça? Avec elle, tu perds pas tes armes si tu vas à l'hôpital. Sérieux? Parce que j'ai pas eu le temps de lire la fin du truc, j'avoue, et j'ai pas vu ce qui était. Tout ça grâce à la chute de moto, quoi! Putain, il faut vraiment que je me viande plus souvent! C'est incroyable! Ça va être une belle histoire à raconter à vos enfants. Vous savez comment j'ai rencontré votre mère? J'étais sur ma Harley Davidson en provenance de la campagne de San Fierro. Alors que j'écrasais quelques passants sur la route, j'ai voulu prendre un raccourci à la Cyril. Je me suis envolé et atterri sur un terrain de golf. Je suis tombé sur votre mère. Je lui ai dit bonjour et elle a dit qu'elle voulait être ma meuf. Je lui ai dit oui. Lors de mon premier rendez-vous, on est allé prendre un milkshake. Cette fois-ci, elle a apprécié. Et voilà, vous êtes arrivés. Ma première propriété. Let's go, je suis propriétaire. Officiellement, on va aller visiter ça tout de suite. Par contre, faut faire... Ouais, non, mais là... Bah attends, c'est quoi? C'est que j'ai acheté ça, moi? C'est à moi, ça? J'ai acheté le... Le magasin de pétards. Ah, ok. Pas sûr que ce soit le meilleur investissement, mais... Ah si, il y a des drones et tout, eh. Il y a des drones et des petits trains.
Waouh, tout ça c'est à moi. Et c'est, ça sert à quoi? Bon, bah j'imagine que je vais faire des missions... Oh! Vous avez vu? Stylé, regardez. Ah mais ça par contre, si un jour ça sort, mais waouh. Ah je peux pas... Désolé, je vais passer en FPS, je peux pas... Regardez, attends, je vais vous mettre là. Tac. Grand Theft Auto Vice City, regardez, c'est des figurines de Tommy Vercetti. Incroyable. Putain, j'adorais, en vrai, j'adorais avoir des figurines de... Ah bah ouais, on les voit tous, de Tommy Vercetti, de son poteau, je sais plus comment il s'appelle. Et ça, c'est le Captain... Ah, je sais plus comment il s'appelle, Captain, il est dans GTA V, il y a les séries qui passent sur la télé. C'est ce personnage-là. Captain Chelou. Ah ouais... Incroyable, et ça c'est quoi? Oh, Manhunt! Pour ceux qui connaissent, qui est un des jeux Rockstar aussi, qu'on avait fait dans l'émission des jeux d'enfance avec Magla. Incroyable. La figurine de Trevor, ah bon? Où ça? Jeez, I'm starving. Trevor, il a une... il a une figurine de Captain aussi? Ah, je m'en rappelle plus, j'ai pas la ref. Captain Rage. Stylé. Je regarde vite fait ce qu'il y a. Mais ouais, j'adorerais. C'est qui votre personnage GTA tout confondu préféré? Balancez les blazes. Balancez les blazes dans le chat. Tous les GTA. Tous. Hello? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission. Deep. Into enemy territory. Ah oui, c'est Lance Vance, le mec. Le I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course. I'll have to tidy up a bit. This oh, il y a beaucoup de CG. Don't worry about it. I'll drop il y a beaucoup de CG, Nico Bellic. Des Trevor aussi, ouais. Il n'y a personne qui dit Claude. Hein. Personne dit Claude. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure. Ah, c'est lui, Izzy. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Je suis déçu, personne n'a dit mon personnage dans GTA Online. As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, avec sa voiture rose. Dispersed with agony. C'est un personnage de GTA, les gars, désolé. C'est dans l'histoire de GTA. Excuse me, but I never take avec drugs. Dr. Benko. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. On va faire une figurine super connard avec la voiture du Crew Baguette. Yes. La Kuruma blindée. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Je crois que ça va être des missions avec des petits drones et des trucs. That's him. We shall fight to the end. On va en faire une, les gars. On va faire une figurine. Ne vous inquiétez pas. Figurine super connard. Berkeley's avec une baguette. Full-scale attack. This is insanity. Oh wow, il y a une tourelle et tout. Batteries commence fire. Let's go. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counter-attack. No problem, man. But they're only toys. Ah ouais, toys. Ça me rappelle des vagues souvenirs de Vice City, ça, avec les hélicos et tout. C'était l'enfer. CJ, bogey's at 12 o'clock. Wow. Il casse, hein. C'est chaud. C'est la guerre. C'est Call of. Ça, c'est vraiment les missions de Z. C'est toujours des petites missions cheloues comme ça. Archie Barron's at 9 o'clock high, Carl. Où ça? Ah non, il est mort. Oula, attends, je peux pas regarder. Ah! Ils arrivent en masse! Les Valkyries! Oh oh! C'est quoi ce truc? Il est où? Ah là.
On gère. Voilà. On est bon. Ça passe. Ouah, tout ce qui arrive là-bas. Je vais me faire un plaisir. Attends, d'abord ça, il est plus proche. Ça enchaîne. Merde, on se fait bombarder. Merde. Ah, c'est chaud là, il y en a partout là. Waouh, c'est Medal of Honor. On est à Pearl Harbor là actuellement. Oh, le remake de Pearl Harbor. Pearl Harbor Wish. Qui se rappelle, Medal of Honor, le soleil levant. Pire mission ever. Y a pas d'effort. J'avoue que ça fait partie des missions de merde GTA quoi. Oh putain, waouh. Oh, vraiment qu'ils ratent leur cible hein. Putain, ça s'arrête jamais quoi. Calmez-vous. Non. C'est bon, ils ratent tout le temps leur... Ah, il reste 39 secondes. Oh, c'est long. Oh. Bah, papa. La puissance. Allez. Oh, ben, là, plein. Ouais, je vais attendre qu'il se rapproche. Je vais attendre un peu. Un zombie. Let's go. Wow. 8 secondes. On est sur un bon score. Si c'est, ça va être que ça la mission en fait. C'est honteux. J'ai payé 30 000 balles, je vous rappelle, pour faire cette mission. Je vous rappelle juste ça, voilà. Je vous rappelle juste les détails. Berkeley. As long as we have opposable thumbs, we will fight. Ils sont pas foulés. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the. Ouais, je vais garder le minigun. Never have so few. Chaud, moi, pour le garder. Many. Too little, three. No, that's not it. What is it? Me donner le minigun. We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Il me l'a donné ou pas? Oh, en plus, je gagne 3000. Le retour sur investissement, il est pas bon, hein. Là, clairement, c'est pas bon du tout. Oh non. Ah, il va encore m'écraser. Oh, il a même tapé les flics. Reporter en direct. En direct de mon local de pétard. Ah merde, je pouvais pas les suivre. Ah là là, on voit le fugitif hein, qui prend la fuite tout là-bas. Malheureusement, j'ai pas de véhicule pour suivre la police. On va laisser ça à nos confrères. On peut suivre de loin quand même hein, la course poursuite. Mais bon, il passe dans les souterrains de San Francisco. Malheureusement, c'est terminé pour nous. Je vous propose un portrait de ce personnage culte de San Francisco qui est seul dans un parc. Je sais pas ce qu'il fait. Oh! Je pleure là. J'ai l'impression de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pleuré? Quoi? Ou j'ai mangé un truc? Vous êtes cuistot? Vous êtes cuisinier? Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est quoi ça? C'est censé être quoi? C'est de la peinture? Oui, j'ai mangé quelque chose, hein. Ah, mais c'est buggé, d'accord, là, il a son établi, genre. Oh, bon, c'est San Andreas, c'est rien, regardez, c'est rien. On se parle d'une définitive édition. Hein, c'est une édition, si vous voulez, qui a corrigé tous les bugs de l'original. C'est vraiment la version ultime de San Andreas, avec des graphismes de ouf, des textures de ouf, des contenus en plus, pas mal de bugs corrigés, enfin vraiment c'est la définitive quoi. Porte bien son nom, définitive. Les têtes du perso. Allez, on va se faire souffrir un petit peu. Hey Z, where you at? Go away Carl, I'm very very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive.
Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Qu'est-ce qu'il fait? Man, them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Well, with that plane, ah, il passait la bonne chance, Cyril, tu vas en avoir besoin. Okay, cool. J'ai peur, Watch Dogs, j'ai peur. That went right up my Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mission de merde. Et je crois que les missions là, c'est des missions assez spéciales. Ouais. Après, c'est bien, ça change de tout le temps les fusillades et de rouler, quoi, tu vois. C'est des genres de mini-jeux. Good luck, horrible. Aïe, aïe, aïe. Bon courage. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Oh, wow. Oh, l'enfer. C'est incontrôlable, les potes. Ah, c'est l'enfer. Ah non. Mais what? Mais c'est incontrôlable. Oh l'enfer. Mais quoi? Je vous jure, c'est incontrôlable. Allez, je suis pilote de drone, on connaît les gars, let's go. On y croit. Allez, on est bon. Alors, on est pilote de drone ou pas? Ah! Ah oui, mais pardon, c'est vrai, ce que j'ai pas dit, c'est que j'en ai planté 3-4, hein, des drones. Ouf. C'est vrai que 3-4, ça fait un peu beaucoup, hein. Soit l'ensemble de mes drones, en fait. Il y a aucun drone que j'ai jamais crash. Oula! Waouh! Mais bon, en vrai, si tu crashes pas ton drone, c'est que tu prends pas de risque. Si tu prends pas de risque, c'est que tu fais pas des plantes de ouf. C'est QFD. Si tu veux faire des plantes malades, t'es obligé de, voilà, faire du rasmot, passer en pleine vitesse sans sécurité près des rochers, prendre des obstacles. C'est ça qu'on aime. C'est incontrôlable. C'est de la merde. C'est l'enfer. Et si je fais ça comme si c'était une voiture, au pire? Bien, je fais ça. Oh là 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 là, je suis coincé. Et les flics, ils disent rien. Bonjour, c'est qu'un drone. Ne vous en faites pas. C'est un drone qui tire. Et moi, je vais rester sur la route, hein, sinon. Ah non, tu peux pas. Quel enfer. Ah, ça vole même pas droit, cette merde. C'est moi, je commence à avoir le truc un peu. Il y a les mollo, quoi. On est pas mal, là, on est pas mal. Hey, on est pas mal, là. Oula. Ok, je vais me le faire. Merde, les flics, mais passez pas devant. Oh là là, le demi-tour. Oh non. Ah non, mais quoi? Oh là là, quelle merde. Ah mais je vais faire comme ça en fait. Si je mets que des petits coups, des petits filets de gaz, il reste sur la route. Je vais couper la route par là. Allez, on y croit. Allez. Et si j'appuie, tu vois, je décolle instant. Allez, là, je vais être obligé pour les rattraper, je vais être obligé. Dans le pont. Oh, je l'ai eu. Ça a pété. Je crois. Let's go. Allez, on y croit. Est-ce que je peux voler haut avec ça ou pas?
Mais c'est incontrôlable. C'est ouf. Qui a codé ça? Donnez-moi son nom. Ouais, si je, dès que je reste un peu appuyé, ça fait décoller. Là, ça va. Le Baron Rouge. On va y arriver, on va y arriver. Il a volé sur moi. Bah voilà, c'était pas compliqué. Salut la police. Tu es capable de piloter le baron. Tu es capable. Je crois qu'on est pas mal là, les gars. Il me reste plein de carburant, je crois qu'on a été assez efficace. Le talent a parlé. Putain, je me tape toute la map, hein. Regardez ça. Eh, hey, on vole haut là. Wow. Let's go. Le bruit de l'enfer, ah ouais. C'est un bruit de rasoir. Un bruit de tondeuse. Attention, atterrissage imminent. Wow. Oh là là. Cette précision, ce talent. On est pas mal, hein? Hey, Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Ye. Word is, every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little port. All right, man. Franchement, j'ai eu ma dose de Z, là. Tiens, pensez à tes gueules. Alright. On va aller voir un petit peu nos amis à la triade. Ou est-ce qu'on n'irait pas voir le... Ah non, mais j'ai l'impression que le Max, c'est des missions secondaires aussi, hein. Vu que c'est pas une lettre, en vrai, j'ai l'impression que c'est une genre de mission secondaire, non? Vu que c'est un crâne bleu, je sais pas. On verra. On fait les missions, on voit... Oh, la manette! La taille des doigts. Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! Damn! How you do that? J'avoue qu'il joue, mais il est aveugle. Non, c'est des missions importantes. Ok. Entraîne-toi davantage sous l'eau avant de commencer cette mission. Oh. Mais c'est-à-dire? I need something taken care of. What? Le bras, quoi. Hey, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! Ouais, du coup, il faut que je Il faut que je m'entraîne. Putain, c'est chiant ça, mais je vais faire quoi? Je vais me faire chier moi dans l'eau. Ça va être l'enfer. Bon bah je vais aller voir le Mac. Ça va être méga long, non? Oh, j'ai le petit cœur là-bas, mais bon, j'ai la flemme. C'est ma nouvelle go. Oula.
J'avoue que c'est un peu chiant d'augmenter son apnée. Parce qu'il n'y a pas de piscine en fait. Faut aller là dans la mer à l'arrache. Il n'y a pas d'activité vraiment nautique. Il doit y avoir un truc, non? Oh! Bonjour! Tu vois, faut que j'aille genre là et... Et du coup, je fais quoi? Je fais juste ça? Tu es capable... Et tu vois, j'appuie sur X, nager, ça fait rien? Ah si! Ah waouh! Waouh, c'est bugué de ouf. Okay. On va faire ça un peu, hein. On va prendre la flotte. Et il bouge le bateau, il reste sur place. Il reste sur place. Oh, il va y avoir une mission là-dedans. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça va être méga long de faire ça, c'est l'enfer. Parce que j'ai jamais... J'ai jamais nagé en fait, donc faut que je fasse tout. Vas-y, on nage. Hein. On nage sur... Y'a pas des tortues là? Ah si. Oh les poissons! Charles, ça m'impressionnait vraiment ça qui est des fonds marins. Ah! Ah non, c'est de la graisse, merde. C'est long! J'avoue, là, je pourrais clairement faire un code de triche. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire la mission avec le Mac en attendant. Je me renseignerai peut-être sur comment faire pour aller plus vite sans utiliser forcément de code de triche. Alright! T-Bone Mendez. Ah, il y a le mec! Il y a le narcotrafiquant! I ain't no weak child, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone. Sympa, comment il parle de nous, sympa ça. Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you... And what? Cat got your tongue? You as bad at talking as you is at mathematics? Les problèmes. Hey, you wanna make this shit personal, Wesley? Hello? Les problèmes. Yeah. Je m'installe. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the ship has been ambushed? Ah. We can't just go out there. Ah non, je croyais qu'il parlait du cargo. Mais non, c'est la cargaison. Va jusqu'à la... Camionnette pris en embuscade. Alright, mais je n'ai pas de véhicule. Parce que lui, à mon avis, il va tomber dans l'eau. On va emprunter une bagnole. Oh, je me rends compte à quel point dans ce GTA, les véhicules sont un peu pourris. C'est que des vieilles bagnoles comme ça, un peu des années 90. C'est pas comme Vice City ou Vice City, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez des Lamborghini, des Porsche et tout. Genre là, je trouve les véhicules, enfin, ils sont trop cool, hein, ça a un charme. Mais c'est pas des véhicules bling bling. C'est à l'ancienne quoi. Après. Ah non, parce que Vice City au final ça se passe avant et pourtant les véhicules ont grave la classe. Wouhou! Là c'est grave les bagnoles de la Hesse quoi. Ah, peut-être que ça peut changer. Effectivement, quand on va aller à Las Vegas, peut-être qu'il y aura des belles bagnoles. Cascade de tarés. Elle tourne pas.
Je te jure. Un vrai bico. Ah, c'est là, ouais. Alright. Putain, j'ai pas pris une bagnole assez rapide. Je vais galérer et j'ai plus de balles. Ah bah, il me donne une moto. Ouais, parce que j'allais dire, putain, je vais galérer. Par contre, j'ai plus de balles, je suis dans la merde. Ah, ils se sont séparés, les bâtards. Je suis dans la merde, hein. Comment je vais faire? J'ai plus de balles. Mais comment je vais faire? Mais genre, ils tombent pas. Oh, le bâton. Merde. Ça va, les flics? Oh, le bâtard et ma brain. Oh, non. Ah, mais je peux le choper. Je suis con. Je peux le choper quand je suis à côté. D'accord. J'avais pas compris. Comment c'est que fait que je le bute? Voilà. Ah, mais il me flingue. T'es malade, toi. Il est mort. Oh, wow, wow. Donne-moi les munitions, donne-moi la moto. Allez, c'est parti. Putain, ils sont loin. Oula. 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 J'essaye de passer au-dessus, mais... Ah, il veut pas, il veut pas. Ah, yes. Ah, oh, merde. Ça pique. La FSR 900, les gars. The Bécane. Ok, on va aller à gauche. Par là-bas. Avec un peu de chance, on va faire un accident de moto. Je vais me refaire une petite meuf. Ah merde. Attention, on va piquer le paquet. Hop là. Et au revoir. Ah, il y a tous les drapeaux LGBT. Comme dans San Francisco. San Francisco, c'est une des plus... Je crois que c'est une des plus grandes villes LGBTQ+. Alright. Ah putain, ils sont chiants tout en se séparer. On va prendre celui-là. Hop là. Alors, je sais pas où il met le paquet, visiblement dans son cul. Tout, tout, tout. Et le dernier. Bah, il est où? Oh putain, je crois qu'il est en dessous. Oh, on va passer par la fameuse route. Wouhou, wouhou. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, mais... Ah, il est là, il est là. Viens ici, mon petit. Waouh. Ouais, elle est solide, la moto, hein. Merci. Voilà. On va pas traîner. Et on va passer par là, tranquillou. Et Chocola, qui offre un petit sub, merci beaucoup. À Dri Studio Photographie. Merci pour ce petit cadeau. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça squatte pas du hardcore? Oh fuck. Ah bon, c'est bon. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Lombard Street. Ah oui, Lombard Street. Lombard Street. C'est vraiment stylé en vrai. Putain, je vous jure, elle tourne pas cette moto, c'est l'enfer. Allez, on va voir notre petit Mac. On va prendre le petit billet. Excusez-moi. Good.
Yo, c'est moi qui me suis pris le ta gueule légendaire dans la vidéo de Cyril. C'était quoi ton pseudo? C'était sur Crap Game. Merci Pepsi Lex pour le petit sub. Merci pour ce petit kiki. Allez, on en refait une. Ça part, on enchaîne. T-Bone, pump the brakes, baby. Take a chill. Mike Torino. C'est pas une petite ref Fast and Furious. C'est Fast and Furious. Hey partner, T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero out there. Je crois qu'il m'a à la bonne, ça y est. Pascal Legitimus, le Mac. What are you, Vato, stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. What? Oh man. Ça y est, faut que j'aille voir ma petite go, okay. Ma petite meuf à San Francisco. Hey Holmes, Mike's in trouble. On l'a laissé un peu toute seule hein, jusqu'à présent. Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he's he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. Alright, let's jet. Alright. C'est cool, il y a un petit peu d'action avec l'émission du Mac. Oh non, plus de sperme. L'enfer. Mike can hear golf. Seagull? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machine. À cause de toi, tout le monde m'envoie le moment où tu me dis ta gueule avec ta voix modifiée. C'était 6-2. Ah, nice. Ça va, t'as bien aimé la vidéo? Malgré que tu te prennes ta gueule légendaire. C'est ton moment de gloire, quoi. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Nice. Alright, regardez-moi cette pluie de l'enfer. Que cela cesse. Ah, ça nique les yeux. Ah. Cascade de taré, $7. Bonne nuit Isa. Salut. Encore merci. Merci pour tout. Great. Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Vas-y, je prends mon petit raccourci à la Cyril, t'inquiète pas. Hop là. Attends, par où je vais passer? Hey, we'll be there in a minute, Mike. Ça passe si je vais là ou pas? Je prends des risques là. Prise de risque inutile. À mon avis, si je passe par là, ça le fait. Ah. Shit, he says they stop. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. Ok, on va à l'aéroport. Rapido. Ah merde, il me dit de faire demi-tour. Ah bah oui, c'est par là-bas l'aéroport. Qu'est-ce qu'il me fait? Mike near aircraft taking off and landing. Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. Mike's cell phone battery is running low. Ah, le sperme est parti, ça fait du bien. Ça fait plaisir. There's the gate and some dead security guard. Ok, les gardes se sont fait descendre. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that. Il loue. Ah oui, mais c'est parce que je suis mon point en fait. Ok, il faut suivre le signal. Ah, on va commencer à toucher les avions. Il y a des jets privés, les gars. Nice. Oh. Merci, Jérémy, pour ton prime. Merci beaucoup. Ah, mais non, mais à quel moment? Ah bah ça va, vous êtes en vie. Et il manque pas quelqu'un, là? Ah, on peut changer de voiture. Putain, je vais prendre un hélico. Mais à quel moment il y a de l'eau comme ça à côté de l'aéroport? Vous êtes des malades. Comment on monte? What? Oh, me dis pas que c'est pas fonctionnel. Eh oh! Eh oh! On va pas me faire ça quand même. Mais il est où l'autre? Ah oh, bah il s'est noyé. Eh oh, T-Bone? Ou il est en dessous comme un con? Ah oui, il est en dessous. Oh là là, qu'ils sont
Quel jeu de ces morts. Les échelles marchent pas. Tu rigoles. Tu rigoles. Attends, ils auraient pas mis une échelle sinon. My cell phone is nearly dead. Ah, puis ah merde, il y a du temps en plus. Non mais comment je suis censé remonter? T'as vu la taille du bousin? Bon, je vais tenter un truc idou lui. Ah, oh, puis il est encore en dessous. Mais sors de là, bordel! Je vais juste te tirer dessus. Voilà. Non mais ça c'est abusé par contre. Oh là là! Oh là là! Puis faut tout refaire. Oh non, faut tout refaire. Oh là là, l'enfer. Ah ça c'est vraiment infernal. Ça me donne envie de passer un coup de fil à Rockstar. À tout moment on sort un hashtag. Hein. Le drama. Ils savent pas de quoi on est capable. Hein. Les 2000 viewers actuellement, hein, qui fassent gaffe. On peut tout casser. Et on se retape une pluie de sperme. Par-dessus tout. Allez, c'est pas grave, on va apprendre de nos erreurs. Cascade de taré, bonus de 16$. Waouh, wow, je suis désolé. Ah, pardon. Oh, il a un AK-47, oh, je vais pas me gêner, attends. Ah, j'en ai eu deux, et deux pour le prix d'un. Regarde ça, hop là, hop. On n'oublie pas le principal, hein. Voilà. Parfois, les accidents mènent à de belles choses. Alors, attends, je vais juste enlever mon signal. Voilà. Ensuite, direction le port. Non, c'est par ici. Voilà. Waouh. 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 Ok, maintenant là il va dire que c'est pas bon. Voilà, maintenant l'aéroport. Attention! Et après il faudra trouver le signal. Non mais si je fais des codes pour la météo Colson, en fait ça va annuler tous les succès, tous les trophées et tout. Puis bon, on part du principe que là, pour vraiment le let's play pour l'émission, on fait pas de code, quoi. Sinon, c'est... Tu perds un peu tout intérêt, je trouve. Donc, on va éviter. Ok. Alors, on est à la recherche d'une camionnette. Il marche pas, leur signal, là. Oh, il y a masse avion et tout, and rescue Mike. Oh, how the closer we get, the stronger the signal. Je pense que ça doit être par là. Hein. Ouais, le signal augmente, le signal augmente. Ça augmente. Ah bah. Mike's cell phone battery's running low. Non, ça augmente. Ça baisse. Il doit être là-bas. Ah, je pense qu'il est là-bas. Ah, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ils sont... Ils sont cons, ils mettent un putain de truc rouge au-dessus. Ouah, tous les hélicos. J'ai plus de balles. Oh, waouh. Demi-tour. Ok, on va arriver à grande vitesse, mon gars. Retourne vers Torino. T'inquiète pas, regarde ce strike. Bam. 50 carrières sur Wii Sport. Que des strikes. Que des spares. Oh, je suis bugué. Un son. Easy. Alors, est-ce qu'il ressemble à Fast and Furious? Ah non, pas du tout. Ah oui. Who the fuck is this? Oula. Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Wero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Wero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go.
All right. On fait quoi là? Détruis la camionnette. Oh non non, je vais pas utiliser mes balles de... J'ai utilisé ça parce que c'est de la merde. Ah, il me tire dessus. Attends, mais y'a pas un truc où normalement si tu tires dans le réservoir... Ah voilà. Hihi. Eh, on pourrait prendre un jet privé. Ah non, mais non, non, je connais cette histoire, je sais très bien ce qui va se passer. On va prendre un jet et on va s'écraser. Oh, on pourrait prendre la limousine, eh. Venez les gars, je vous emmène dans ma... Dans ma petite limo. T'as oublié Toreno, mais non. Hein? Continue le klaxon. Allez, monte, trou de cul! Bonne chance à toi, gentil dragon! Bonne chance pour les cours demain! Merci d'être passé! Ah merde, c'est par là. Alright. Attendez, je mets bien ça. Hop là. Ok. Facile. Oula, qu'est-ce qui se passe? Sème les keufs. Oh merde. Ah putain, va falloir que j'aille au pain spray. Je fais un détour de l'extrême. Ah yes, y'a... Ah bah non, déjà je prends une étoile, mais bon, ça sert à rien, parce que j'en aurais toujours une. Autant aller au pain spray. Oula, les taxis de l'extrême. Quand faut y aller, faut y aller. C'est où, c'est là? Quelque part là, non? Oula. Vous en faites pas, les flics. Je vais rentrer dans un pain spray. Il y a la même voiture. L'exact. Même modèle, mais dans une couleur différente. Ah bon, même pas d'effort. Ça va pas changer de couleur. On t'a changé le moteur. Putain, le RP, à l'époque, on se faisait pas chier. Hein. Got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just ask the fucking question. Look, man, chief. I've been to Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Oula, qu'est-ce qu'il fait le flic? All right, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check. Shut the fuck up. Ça a l'air d'être du sérieux, hein, le petit T-Bone et l'autre, là. Woohoo! Et... Wouhou. Attention. Bon, on a bien avancé là quand même. Je pense qu'on a fait une bonne partie de l'acte de San Francisco. Ça, c'est good. Ok, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Let's go. J'avoue que je pourrais aller voir ma petite meuf. Ça ferait du bien un petit date. Est-ce qu'on va pas la voir un coup? J'y vais avec la limo. Écoute, tu t'es... Comment elle s'appelle déjà? Comment ça? Katie. Katie, je t'ai prévu la totale. Je viens te chercher en limo. Où est-ce que je vais l'emmener? Il faut que vous me conseillez parce que je suis vraiment pas doué pour ça. Je voulais bien montrer avec Denise. Qu'est-ce que je fais, les gars? C'est là, non? C'est où? Ta meuf est pas encore rentrée chez elle. Reviens plus tard. Quoi? Mais il est 4h du mat. C'est la porte bleue en plus. Ah, j'ai un coup de téléphone. Hey Caesar,
The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Et alors? Bah non, moi je dois voir ma meuf là. Not right now. I gotta check into some shit. Ah ouais, je m'en fous. Je veux voir ma meuf. Hey, Cathy! Je suis là! Je vais te prendre en photo, Cathy, pendant que tu dors! Merde, j'avais prévu une limousine et tout! Elle est sûrement partie voir un autre mec. Arrêtez de dire du mal de Katie, ok? C'est une meuf bien. Je vais me prendre un petit burger. Puis on va revenir. Regardez, il y a même des petits... C'est quoi ça? C'est des magasins de vêtements. Oh, regardez, c'est tellement la définitive édition. Qu'il y a deux logos superposés de magasins. Ils ont oublié qu'il n'y avait besoin que d'un, regardez. On est sur une définitive édition. Avec du soin apporté au détail. Comme d'habitude avec Rockstar. On va se prendre un burger. Ah bonjour, je pensais vous avoir tué la dernière fois. Bah ravi de voir que vous êtes toujours en vie. C'est sympa. C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit costard. Slurp my burger, sir. Slurp. Have a wonderful day. Imagine là, je reviens et hop. Il n'y a plus la limousine. On m'a volé la limousine. Dégagez, j'ai un date. Dégagez, dégagez. Mais je crois qu'elle sera toujours pas là. Hein. Merde. Vas-y. Ta meuf est pas encore entrée. Oh. M'emmerde. M'emmerde celle-là. Bon. On va faire une petite mission en attendant. Tant pis, je vais perdre la limousine, hein, du coup. Ou alors, je pourrais effectivement faire une sauvegarde. Allez, je peux faire une sauvegarde et revenir. J'ai très envie de ce date. Je veux passer une belle soirée. Je veux tirer mon coup. Je veux lui faire l'amour dans la limousine. Lui faire l'amour comme on ne lui a jamais fait. Oula. On va faire une petite sauvegarde. Oula. Waouh. Elle tape dans tous les sens, la petite limo. Aïe, 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 la portière. Merde. Hop. Oh, le con, putain. Il s'est jeté sous mes roues. J'ai rien pu faire. Et est-ce que je peux... Du coup, est-ce que je peux ranger la voiture? Non. Y'a pas un petit garage? Non. Et là? Ah si. Ah, parce que j'ai pas envie de la perdre, hein. Hop. Comme ça, au moins, voilà, ça sauvegarde la voiture. Et là, on est bien. Hop. Voilà, là il est 14h. Parfait pour un date, hein. Vous pensez qu'elle va être là ou pas? J'ai peur que ce soit que le soir, genre. Genre 20h. Et ça, j'ai des pneus de change. J'ai un petit stock de pneus, vous savez, on sait jamais. Je sais pas si elle sera là, à 14h. C'est pas la... D'expérience, c'est pas la meilleure heure pour un date, si? Parce que Denise, quand on était sortis, c'était au soir, je crois.
Je sens mal, les gars. Les paris sont lancés. Est-ce qu'elle sera là? Il y a une team pour le oui, une team pour le non. C'est une love story qui commence très mal. Effectivement. Oh, l'animo, l'animo, l'animo! Il m'a baigné la bagnole! Putain, la portière! Il m'a frotté tout le côté! On a beaucoup de oui. Donc là, presque une bonne partie du chat est en mode oui. Et ben, on va voir ça tout de suite. Vous êtes des gros mythos! Elle est même pas là! Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit! Hey! Hi. Hi, beautiful. Salut, Katie! Hey, you wanna go out and get consulte some la carte pour trouver un endroit sure. Que ta meuf. Tu peux l'inviter dans un fast-food, ok. Où est-ce qu'on l'emmène? Concentrez-vous maintenant. Concentrez-vous, les gars, c'est maintenant. Que moi, je ne choisis plus parce que... voilà. C'est Katie. Pour rappel, on l'a rencontrée sur un terrain de golf. Elle faisait du yoga ou du feng shui, un truc comme ça. Alors, on a team resto, le bar à côté... On est plutôt sur du resto, hein. Un bar ou un resto. Resto, vous êtes sûr? Resto de luxe, ce serait ça? Allez, on tente. J'ai peur. Vous pensez qu'elle aime les restos, Katie? On va voir. Stand de tir. Regarde comment elle est habillée. Elle est pas habillée pour le resto, là. Elle est plus habillée pour aller au bar, non? Les gars, j'ai vraiment besoin de tirer mon coup, donc j'espère que vous me donnez un bon tuyau, là. C'est vraiment primordial. Je vous rappelle que la dernière fois que j'ai tiré un coup, c'était lors des premières missions à Groove Street. Ça commence à faire un petit moment. C'est pour ça que mon CG, là, il est plus très en forme. Et je crois que je n'ai jamais fait l'amour véritablement à une femme sans payer. Là, elle vient de parler d'un rappeur, vous êtes sûr, hein? I love this neighborhood this time of year. Elle a l'air de bien aimer le coin. Ah? Ah bah c'est bien ça. Elle a l'air de bien aimer le coin, les gars. C'est où le resto? C'est où? Ah, mais y a pas de... Always hated this place. On dirait qu'elle aime pas trop le quartier. Hein? Mais elle aimait bien il y a deux secondes. Mais tu te fous de ma gueule? J'étais là, t'as dit t'aimes bien le quartier? Là, elle aime bien le quartier? Et quand je vais là, elle aime plus le quartier. Là, elle aime pas. Mais non, mais c'est pire que Catalina. Vous m'avez refourgué une catin. J'en peux plus, moi, de ces meufs. Attends, tu fais 10 mètres, elle fait « Ah, j'adore ce quartier. » Et tu vas là-bas, elle fait « Ah, j'aime pas du tout ce quartier. » Est-ce que ça voudrait pas dire que... Potentiellement, ça voudrait dire que... Quand on est plus proche du burger, elle kiffe. Et dès qu'on se rapproche du resto, elle aime pas. Ça y est, il y a des meufs qui n'aiment pas forcément les restos et qui préfèrent faire des trucs chill, fast-food et tout. Hein. Écoutez, on va se diriger vers le bar. On va voir ce qu'elle pense. Mais moi, ça va être très vite fait. Hein. Si elle me casse les couilles comme l'autre, je la dépose. Elle descend de ma limousine. J'ai pas de temps à perdre, moi. Quoi que ça a à foutre. Elle a l'air de bien aimer le coin, mais j'en ai rien à foutre. Il n'y a rien à faire ici. Je vais la faire swinguer, moi, tu vois. Oh, il y a des belles voitures. On dirait qu'elle aime pas trop le quartier. Oh, juste quand il y a des drapeaux LGBTQ. Elle s'amuse pas du tout. Vite, fais-lui quelque chose à manger ou à boire. Oh, pile quand on arrive dans le quartier LGBTQ+. Elle a dit qu'elle aimait pas le quartier. Les gars, c'est buggé. Ah non, mais il faut que je descende, je crois. J'en ai rien à foutre. Eh, je t'emmène au bar gay, d'accord? Et si t'aimes pas... C'est que t'es misogyne. Et je ferai un thread sur mon date. Je crois que ça se passe mal, les gars. Je crois que ça se passe mal. Je crois que ça se passe mal. Non. Elle va me mettre un râteau. Oh merde. Oh là là, je vais la déposer. J'en ai... Merde, on dirait qu'elle s'est pas beaucoup éclatée. Mais... Keep talking. My hands are lethal weapons. Hey, asshole, look out!
Va te faire foutre, Katie! J'en ai ras le cul des meufs qui prennent pas soin de moi! Ah bah là, je crois que... Je crois que c'est fini. Je crois que notre histoire d'amour est finie. J'ai dérapé. Non mais c'est chiant, à chaque fois que j'ai des dates, ça se passe mal. Je perds du temps. On est sur San Andreas, on n'est pas là pour beurrer des sandwichs. Moi, je vais faire une mission pour oublier tout ça. Je me suis fait friendzone. Les gars, je suis à taux de réussite de 0% avec les femmes sur San Andreas. Je pense qu'il est temps de se remettre en question. Et pour ça, on va se plonger dans le business. Travaillons. Travaillons, oublions tout ça. Jizzy, what's going on? Elle est traite sur moi. Je suis mort. Elle va faire un trait sur moi. Le date qui a mal tourné. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. Oh, la belle bagnole! He's waiting for you in a four-door sedan. Oh merde, je vais plus. Excuse me, partner. I got a call coming in. A river dirty. Yeah, whatever you say. Incroyable. Bye. Oh là là. Allez. My car! On est vraiment très violent, hein. Dans ce jeu. Peu importe, hein, gente féminine, flic, gangster, on frappe tout le monde. C'est comme ça que ça se passe dans San Andreas. Bah, je vois pas en quoi le barguer, c'était un problème. Pourquoi tu pourrais pas faire de date hétéro dans un barguer? Pourquoi? Ça voudrait dire que les gays, ils peuvent pas faire de date dans des bars hétéro? Bah non. Alors si elle est pas contente, bah, elle rentre chez elle. C'est fini. Y a pas d'amour là-dedans. C'est quoi ça? Moi, je suis pas d'accord avec Katie. On est arrivé au quartier gay. Elle a dit, j'aime pas ce quartier. Dès qu'on a vu les drapeaux. Moi, déjà, je savais que le date, il était mal parti. Il y avait un mauvais feeling. On est parti du mauvais pied. Alors oui, ça s'est fini en bagarre. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Elle m'a tapé, hein, elle a essayé de me taper aussi. Hein. Heureusement que j'ai fui. Oh shit. You a pinchy hoota or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake. You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, essay. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. Je crois que c'est le père de Katie's. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut. Je crois qu'il lui a tout dit. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Elle t'a mis un coup avec la porte du bar, on a tous vu. Vous avez vu, elle m'a violenté. Allez, c'est parti. Direction l'emplacement. Merci Moustache Cosmique pour ton sub. Tier 1. Merci beaucoup. Oh, j'ai vu une moto à lance-roquettes. Et Papy Boyington 25, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci le pote, ça fait plaisir. We're watching you, kid. Simon, Nessie, we're watching. Alors. Oh, c'est quoi, c'est un sniper? Nice. Ça, j'aime bien quand on nous donne des armes gratos. J'aime bien. Voilà. Nice. Et Rainbush qui fait péter son prime. Merci beaucoup. Merci pour ce kikiki. Oh là là, il écrase tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, mon zinc? Qu'est-ce que tu fais? Utilise le lance-roquette pour détruire les barrages. Ok. Bah, j'y vais, hein. Je prends les devants. Allez, on va tout faire péter. C'est des barrages de quoi? Ah bah je suis derrière eux. Oh, ils me visent. Bonsoir. Alors je vais juste faire un truc en fait.
c'est juste vous niquer votre mère. Mais non, le con, il est passé devant. Et oui, il réagisse même pas. Ah, il y a un taxi qui l'a écrasé. Quoi? Je me suis fait éclater, hein. Waouh. Wouhou! Stylé. Eh putain, ils m'ont mis un coup de... Waouh! Merde, waouh! C'est passé quoi? Merci Seiko pour le Prime! Mais calmez-vous. What the fuck? Pourquoi j'ai explosé? J'ai roulé sur la flamme, j'ai explosé instant. C'est des malades. La bavette, on frotte la bavette ici. Désolé. Merci Malo, merci pour ton sub niveau 1. Merci pour ce petit kikiki. Et merci. Je vais me mettre un peu de plus loin. Ah. Ouah, comment il a volé. Ah mais le con, il est passé devant. Putain, mais ils sont débiles. Et c'est le train de la hype en approche, messieurs-dames. Merci beaucoup. Est-ce que ça passe si je fais ça? Ouais. Bah voilà. Train de la hype niveau 2, messieurs-dames. Non, j'utilise pas les codes, mon cher ami. Ok, let's go. On fait ça de loin. Ah, mais je peux zoomer, je savais pas. Fais tout péter. Qu'est-ce qui me tire dessus? Ça va pas, toi? Calmez. On va utiliser snipe un peu, voir ce que ça donne. Waouh. Efficace. Le efficace. Et ils sont où, les autres? What? Ça me dit qu'ils sont en haut. Quoi? Merci, Kylian. Merci, hey. Merci pour vos subs. Merci beaucoup. Ah oui, ils sont là. Oh, fuck. Oh, j'ai vu un petit gilet pare-balles, là. Oh, la balle qui prend dans la gueule. On y va à la AK-47. Waouh. Ah, ça y est, là, ça joue à la AK, là. Ça y est. Ça y est, ça sort les AK. Ça rigole plus. Oui, par contre, je peux pas lui prendre les munitions, je crois. Hop. Je vais juste récupérer les munes. Je crois qu'ils ont des AK. Ça peut servir. Hop. Oh non, ils disparaissent. J'ai le seum. On va se mettre de très loin. Hop. Wouhou. Faudra m'expliquer comment ils sont pas morts, mais bon. Voilà. De loin, on prend pas de risque. Ah, il y a encore des mecs dans le chantier, merde. Est-ce qu'ils vont tirer d'ici? Ah, ils sont trop loin. Vous savez pas viser, les potes. Dans la tête. Ah, ça passe pas. Là, ça passe, là. Voilà, monsieur. Pas de temps à perdre. Ah. Merde. Ah, je voulais faire un truc méga stylé. C'est pas pour tout de suite. Allez. On y croise. Mais merde. C'est quoi ce bordel? Bon, on va passer à côté, hein. On n'a rien vu. C'est quoi le point bleu? Ah merde, c'est la camionnette, putain, il faut que je me dépêche. Merde. J'avais pas capté ça. Il y a la camionnette qui arrive, en fait. Oh, il y a la police. Les problèmes. Ah, ils disent rien, c'est sympa, ça. Oh non, j'ai fait de la merde. J'ai voulu les écraser, c'était une très mauvaise idée. Fais en sorte que les vannes arrivent à destination sans accroc. Je prends le MP5, hop.
Et du coup, il me faudrait une petite voiture. On va prendre un taxi. Paf. Je suis obligé de prendre la moto. Bon, je suis obligé. Imagine la mission, elle s'annule parce que je suis pas en moto. Ce serait dingue. Bon courage pour tes cours, Kidox. Merci beaucoup, à la prochaine. Ah ouais, mais il roule à de l'allure, y'a pas d'effort. Y'a pas d'effort, monsieur. Putain. Et Kent qui est de retour. 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, on est arrivé, je pense. Nice. Let's go. Okay, we made it. Oh là là, Ken qui fait péter les subs. 5 subs offerts, merci beaucoup. Bienvenue à Jaco, Smog, Doom, JK et XLV. 9 000 $. Respect plus. Respectez-moi. Oh. Ah merde, c'est moi, j'ai 3 étoiles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait, je suis innocent. Ah, je suis un ange, arrêtez. Je vais sauvegarder. C'est jamais. C'est jamais. Merci Sagi. Merci pour le Prime. Ah bah du coup j'ai... Ah ouais, mais c'est trop bien ça. Je savais pas qu'en sauvegardant ça... Ça skippait les étoiles. Alright. Messieurs, dames, nous allons dire au revoir à YouTube. Il est temps de les quitter. Il est temps pour moi d'arrêter juste la VOD. Voilà, bon, j'ai fait une grande vidéo, 2h40. Merci AxoWoo pour le Prime. Voilà, pour ceux qui voudront revoir les VOD. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, bien évidemment. Et on se retrouve pour les prochains épisodes. Et salut! Et ça va que t'es. Au revoir, YouTube.